Ou si tu fais bon Karim. Vas-y. Position. Ah yes, le launcher se met à jour. Est-ce que vous l'avez entendu? Non, que dalle. J'ai mis la sensibilité de mon micro trop bas, du coup vous avez pas entendu mon père. C'est con ça. Oh, il pue. Ça, on l'a pas non plus l'autre. C'est d'abord un tien. Oh, j'ai envie de mourir. Oh, j'ai l'impression de bouffer mon P. C'est dégueulasse. J'ai délicieux. Mais en plus, je sais même pas ce que ça fait de ce que je demande. Ça c'est petit. Et putain ça pue. Oh la vache. Ah ça réveille. Une bonne crêpe. Il y a de l'ambiance dans ces petites bottes. Alors ah, tiens du coup j'ai pas mangé sur, j'ai un peu la dalle. On voit pas le jeu, Nat. Oui, je sais, c'est normal, c'est parce qu'il charge. C'est plus intéressant, un jeu qui charge que... Et c'est aussi parce que je vais aller au trône. Sur ce, je m'absente. Oh, pas non, mais il lance un stream et il se barre. Bah, le jeu charge, il charge pendant longtemps, donc je vais pas me faire chier plus que ça. Mais lance pas le stream, alors. Mais si, c'est pour ça, il faut que l'image serve. Bon, genre... J'ai vomi. Super. Putain, c'est vrai qu'on était là. On était où? Bah dans... C'est moi avec Ben. Ah oui, moi je spawn au casino tout le temps. D'ailleurs, moi je joue au casino en attendant l'autre sac à main. D'ailleurs, la voiture elle est assez belle, je trouve. Putain, j'avais oublié que mon jeu il laguait quand je le lance. Ils sont plus forts, ok j'ai branlé. C'est Gildor. Le son. Non j'ai pas branlé Gildor. D'accord. C'est bien dommage. C'est pas ce que tu rates. Oh putain mais je fais que de roter péter moi. Tu es un porc. Ah, je sais, ça fait des années. C'était une référence à un commentaire que Terracide avait reçu. Le mec qui dit genre vous êtes un porc roté pété en stream et genre c'était un gros troll Terra donc il se l'est fait imprimer sur un t-shirt. C'est drôle hein. Alors, le mec me fait un doigt d'honneur alors que je ne l'ai pas touché ou que je n'allais pas dans sa direction. Beaucoup de plaisir. Tu l'as quand même mérité parce que t'es né comme tu es. Bon, né comme vous êtes. Donc, Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Attends quoi, mais tu fais des caca express. T'es plus rapide qu'Amazon, mon pote. Mais je vais pisser, connard. Ah bah, t'es très lent alors. Attends, mais mec, on est d'accord, il a dit qu'il allait chier. Bah, je suis allé au trône. Il a dit qu'il allait au trône. Pour moi, au trône, c'est que tu vas chier. En fait, le trône, l'expression du trône, c'est d'aller faire caca. Je m'en fous. Non, mais on a bien super, vu. Le mec, il sait pas parler. Quoi. Super. Si, pour il sait parler, mais si c'est pour dire au trône de mer, ça sert à rien. Oh putain. Ah, je fais des boupingues. Oh là là. Un coup de fatigue. On devrait goûter. C'est vrai, même si ça vaut pas les crêpes au beurre. Non, crêpes au sucre, désolé. Non, crêpes au beurre. Apparemment, si on part en roco mais... sur l'île. Non, mais t'as trouvé le meilleur combo. Crêpes, jambon, camembert. Oh, tu dégoûtes. Pas de débat, c'est. Pas de débat, c'est le meilleur. Pas de débat. C'est dégueulasse. Tu disais quoi, Nat? Oui, sinon je disais qu'apparemment en visitant le Cugno Perico, on pourrait apparemment gagner de la moula pour la roco. Comment ça? Quand on fera de la roco de l'île de Cugno Perico, apparemment on pourrait gagner de la moula. Voir ça sur un pop-up, c'est tout ce que ça disait. Mais est-ce qu'il y a des caisses qui spawnent en fait?
te la prends, tu peux. Raisonnable. Ça peut aider, je crois. Mais pas non plus foufou. Hein. J'ai un bouton dans le pied qui me fait extrêmement mal. Je crois que Rockstar veut vraiment que les gens aillent sur cette île en fait. Ouais, elle est trop belle la voiture. Mais ouais, t'as vu. C'est elle pas 4 secondes. À... Je te le dis, c'est pas 4 secondes. Elle ressemble un peu à la cyclone, mais de loin. De très loin même en fait. Attends, c'est ça que je voulais faire. Bon, bah, de toute façon, je vais la voir. Ah bah oui. Je, voilà, j'ai douté de moi. La cicadou, la titapitou, la ticatitikatiti. Et là, je l'ai. Et prends le quad hein, de Caio Perico, c'est le Vérus sur Warstock. Mec, je suis dégoûté, j'ai le truc juste à gauche. Oh, c'est con ça. Mais j'ai juste fait un tour. Hop, oh, mais pourquoi il a une icône particulière ce con? Par contre, juste, j'aimerais en parler que j'ai encore gagné des RP. Alors, Nat, hein, je te le redis, hein, mais lance un stream pour qu'il y ait 6 minutes de. Oh, au secours! 6 minutes d'attente, c'est toi qui peux. Ah, il était immonde! Ouais. C'est l'après-crêpe, ça. J'ai peur. C'est ça, Southern, le quad? Non, c'est. Warstock. Bah écoute, c'est pas de ma faute si le jeu est long, moi. Bah oui, mais t'aurais pu attendre avant de lancer ton stream. Mais non, après ça aurait été chiant d'avoir de faire avec le tab et toutes ces conneries. Dans l'arène, hein. Bah j'ai obligé de le mettre dans l'arène aussi, j'ai plus de place nulle part. Comment ça va, j'ai encore 5... J'ai 15 places dans l'arène. Mais bon, du coup, ça vous dit qu'on fasse du terrorisme en ville contre les autres joueurs. Ah, en vrai, je suis deg. Si tu veux, moi je m'en bats les couilles. J'ai eu les 15 000 RP juste à côté de la bagnole. C'est con ça. En plus, il est cool. Hein. Il est lent. Oh, au secours. Mais venez, on va tous en carte. On bat les couilles. Alors attends. Déjà, je vais modifier pour voir ce qu'on peut faire dessus. Tu peux modifier un véhicule de Warstock? Je pense, oui. Ça dépend. Mais là, c'est qu'un quad, donc il n'y a pas de... Ah, de chose, normalement. Nous y sommes. Parce que en plus, c'est un gars, un truc personnel, donc... sinon, ça aurait été Pegasus. Donc, je suis couillé, là. Complètement couillé. Tu es écuyé, bien sûr. Comment ça, t'es tu es un écuyé, Eric. Comment ça, t'es couillé? Mon véhicule est de l'autre côté d'une palissade. Bah, tu fais le tour. Tu peux renvoyer ton véhicule et le rappeler. Ouais, mais j'ai pas encore où il est sorti. Mon je tourne autour d'un palmier. C'est bon, ça, c'est pour les... Mais c'est vrai que j'avais mis ma tenue dégueulasse. Je vais remettre ma tenue verte. Elle est moins dégueulasse. Alors. Parbuffle. On peut mettre un parbuffle. Vas-y, mets-moi un parbuffle. Mais en vrai, tu sais que plus je la mets, cette tenue verte, plus je l'aime bien. Je suis dans ce public, on est que deux. Et je suis le plus haut level. Oh putain, oui. L'autre, il est niveau 4. C'est énorme. Ah oui, j'ai le véhicule personnel de Dave à récupérer. Et du coup, rejoignez-moi, je compte faire l'émission de bonne cœur. Enfin, l'émission de bonne cœur. Attends. De remplissage de bonne cœur. Bah, tu vas attendre Kairon. Putain, je viens d'appeler mon mécano. J'avais oublié qu'il n'était pas encore arrivé le véhicule. Je raccroche au mécano. Il vient d'être arrivé. Oh là là. J'ai une vie de canne et peu cher. Du coup, on le rejoigne? Attends, je vais tester le quad. Je l'ai fait un peu dégueulasse, mais pas tant que ça. Bon. Du coup, tu peux le modifier? Oui, c'est Los Santos. Oui, du coup, il y a un quad gratuit ou dans Warstock? J'avoue que moi, je crois que je vais faire tout vert. Hein. Warstock. Bah, j'ai laissé de couleur d'origine. Ah oui, c'est le quad de Caio Perico. Oui. Ah oui, je suis dingue, j'étais à deux doigts de l'avoir, le véhicule de la semaine. Ça viendra. Pourquoi je te le dis? D'où j'ai eu la police? C'était moche. J'étais dans mon shop et bam, la police. Et en vrai, il trace, hein. Ah, je trouve qu'il est lent à bah, pour un quad, ça va. Pour un quad un peu blindé. Ah oui, non, mais je trouve très beau en vrai. Bon, c'est pas le truc que je prendrais pour aller vite. Hein. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à un parpaing qu'autre chose, mais. Moi, je l'aime bien. C'est pas parce que c'est moche que j'aime pas. Heureusement, vu ta gueule.
C'est très très drôle ça. J'ai jamais fait, d'humour comme ça, je devrais essayer. Non, t'es moche. Super. Full gratos. Il est bien d'être aimé, écoute. Donc. Et quoi ? Je n'ai pas. On m'a dit en carte. Donc c'est trop bien, je viens de remettre mon véhicule droit. Un autre un penny me schlasse. Tu te fais schlasser. Et à renverser mon véhicule, du coup je dois retirer au pistolet laser. Ma vie c'est de la merde. Oui. C'est lui qui me dit oui. Mais putain mais... Une voiture qui drift en plein milieu de la route. Pourquoi pas. Ah bah j'ai volé. Alors bien rebondi. Hein. Mais bien sûr elle drift sur ma gueule. Putain mais j'ai fait 2 mètres. J'ai fait 2 mètres et on m'a volossé 3 fois. J'aime qu'on a déjà plein le chien. Merde. Ton véhicule de mort là juste là. Quoi? Sur la map, t'as un véhicule une drôle de gueule. Laisse le vivre mon véhicule, il t'emmerde. Mais non mais sur la map il a une drôle de gueule. Bah je sais, rien de la tête qu'il a en vrai. Oui, c'est le cœur. Je crois que j'ai écrasé Jacqueline. Je crois que j'ai pas amélioré la... Oh, t'as eu de la chance avec la rambarde toi. Ah là là. Je vais essayer de faire un bon truc bien dégueu. Putain, il y a des tâches. Oui, c'est vrai que j'ai... Ah oui, elle est tout en haut. Tout en haut. Eh ben, il fait pas chier. Je peux mettre un parbu. En attendant, moi, je rejoins Nat. Et du coup, t'as le minigun, toi, maintenant. Ouais. Cette petite crêpe était, ma foi, très très bonne. Oh là là. Oh là là. Oh, il y a un truc d'accessoire sur le capot, il est dégueulasse. C'est quoi? Je l'ai enculé. Le truc en zèbre là, c'est immonde. Ah oui. Est-ce que je l'ai... T'as vu comment elle est belle? C'est dégueulasse. Oh oui, j'ai c'est pas la voiture de minigun. Tu l'as pas acheté? Non, je pensais le voir récup en mission, mais Bah, récup en mission, sinon, les niveaux 5, il l'aurait déjà aussi. Ah! Ça fait du spawn mon véhicule. Bah oui. Oui! Il est vraiment con. Il est con. Putain, t'as des motifs sur ce truc avec le bunker? Ouais, mais sur tous les véhicules militaires. Vas-y. Oh, 1223. Tu sais ce que ça veut dire, Yves? 1223. Oh oui. On n'est pas sur Rocket League. Ah mais ça compte pas. Ah bah oui, ça compte bien sûr. Putain, c'est l'état de New York. Ça dégoûte. Moi je voulais un petit joueur en Josas quoi. Putain, New York est niveau 4. Invite-moi dans ton orga toi. 1223 en fait, vous jouez à quoi là avec en tapant son numéro? Bah en fait à chaque fois qu'il y a 5 chiffres d'affilée, on part du principe que c'est un code postal. Du coup, quand on a un code postal on peut avoir une ville. Donc quand on a une ville, moi je m'amuse, hein, notamment les Bretons. On est sur des gars du Finistère. Giga fun, ils ont mis la méga branlée par contre, mais. C'est bon, t'as fait la mienne ou pas? Oui oui, j'ai l'air. Deux secondes, j'accepte, non mais oh. Toi je fais une monnaie du coup. Flibustier. Ouganda. Poivreau. Fils de pute. Pas vénère. Et t'es... Ouais, parce que j'allais dire, je regarde ton stream, je me dis mais t'es con. Tu l'envoies dans l'organisation. Mais alors, s'il vient de New York, est-ce qu'il ne faudrait pas parler sa propre langue? Ah non, je sais, mais je le force. Je lui force la main et je veux qu'un Américain parle français. Parce que l'armée française a réquisitionné ce serveur. Voilà. J'arrive à l'aéroport. Je crois qu'on peut plus rien faire pour lui. Ah non, il est complètement ravagé du coup. Ah, je voulais faire une bagnole verte, mais il n'y a rien de beau.
comme vert. Ah, en fait, le vert qui est beau, faut gagner des courses là. C'est ça que je t'avais demandé la dernière fois. Ouais, c'est le vert lime là. Ouais, c'est ça. C'est celui qui fait le plus militaire et je trouve que c'est le plus beau, mais on l'a pas de base, c'est chier. On l'avait sur console. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il y avait Modo qui m'avait complètement boosté le fion. C'est vrai. Putain, j'ai fait la course avec un mec en voiture en kart, il m'a défoncé. Quoi, il a le temps de me tège? Bah oui, le temps que t'accélères, t'es trop lent. Oh là là, je... T'es méga drift avec le kart. J'ai sorti le gros joujou pour lui faire peur. Ouais. Toi que j'arrive, je vais t'ouvrir les fesses. Et toi que c'est... Écoute, ça sera sans moi. Non. Oh non, tu veux quand même pas prendre un avion. Putain, je vois même pas la map. Je vois même pas la map. Tiens, fais la course contre un jet privé et vas-y, et bah laisse-moi le temps d'arriver alors, moi. Alors attends, je me mets bien sur la ligne de départ là. T'aurais un cap tellement ridicule. Ah, une jaune là. Et je peux avoir 2 mètres d'avance. Ok. C'est bien, oui. T'es un connard. Oui. Go. Chien. Mon coin des prêts. Ah, j'étais méga saucé de balles. Mais t'es bourré? Non. T'es bourré. Si, t'es bourré. Je suis du Razmot. Par contre, il tombe tellement bien le poids de Caillou Perico. Hein. Du smooth. C'est... J'ai écrasé deux cibles. Ça, c'est pas smooth. Si, c'est grave smooth. Ah non, une. Enfin, deux, mais il y en a un qui est mort. Ah, ça va alors. Ça va. Par contre, on descend. Oh, je vous rejoins les amis. Tu fais banquet. Le banquet. Au banquet. C'est quoi déjà pour les roues? Hein? C'est quoi la touche pour ajouter les roues? Je m'en rappelle plus. 12. Moi je suis à la manette quand je suis en véhicule qui vole, donc va falloir vous débrouiller tout seul, mon bon monsieur. C'est pas eux. C'est 12. Ah non, c'est G. C'est... Putain, je suis un gros con, j'ai un gros trou de mémoire. Non, c'est... Alors, on croit que c'est G, hein, mais c'est F. On croit, hein, mais c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est que moi j'aurais vraiment pu. Ça a marché pour Milan. Pour moi aussi. Et tu te rappelles, tu lui avais dit CG en pleine route. Ah oui, c'est trop drôle. La bonne époque, quand Milan existait encore. Ouais. Très bon que ce soit marrant. Ah, puis bien avant, il a. C'est pas partie de votre organisation, les potes. Bah écoute, faut demander au PDG. J'ai pas grand pouvoir, moi. Au compte des partenaires. Bien, bah propose un travail à Vas-y. Attends, il fait quoi lui? Genre, il était trop content d'avoir sa session publique tout seul. Bah, je peux pas le reconnaître. Trois connards qui arrivent, il est en mode putain. Mais il est. Oh, attends. Je vais. Attendez. Parce que là, il est dans le. Je vais demander le Sparrow. Et je vais aller voir ce qu'il fait. Sans l'attaquer, hein. Je vais juste voir ce qu'il fait. Parce qu'il est en tank. C'est tous les potes. Vous voulez que j'invite dans l'organisation ou pas du coup? Si tu veux, moi de toute façon je vais aller voir ce qu'il fait dans tous les cas. Du coup on fait quoi? Bah avant tout je vais tourner la route. Et après je vais faire le bunker.
T'as vu, on est ses esclaves. Très bien, je vais faire un truc que même moi j'ai la flemme de faire pour moi. Bah, c'est pour finir. Oh, mais là, tu seras payé à le faire. Oh non! Vas-y! Oh, il dégoûte. C'est pas une niveau 4. Attends, c'est quand même bizarre que si il est niveau 4 qu'il a déjà un camp, qu'il a déjà un tank. C'est un tank rouge, donc je pense que c'est un truc d'événement ou de. C'est pas lui qui est rouge? Non, non, c'est lui qui est rouge. C'est lui qui est rouge? Ah oui! Après, il a pu choper un tank à la base militaire. Attends, choper un tank à la base militaire niveau 4, je veux que c'est ton. C'est un lapsus le rebelle. Ils font plus les tanks à la base. Tiens, je vois le connard avec son avion en bas. Bah, ton avion il a dispawn. Non, il est encore là pour moi l'avion. Oh non, il y a Malky. Malky. Putain, la route elle m'a éjecté de mon véhicule. Qui que c'est ce Malky? Je me suis fait baiser par la route. Je sais pas, c'est un chien. Bon. Enfin, c'est pas lui. Mais ça te serait fier de toi. J'ai appris des plus grands, quoi. Non, Marion. Marion, c'est clair. Oh putain, la voiture a une bonne gueule. Ah ouais, t'as vu? Oh non, mais plus ça va, plus on est nombreux. Oh, j'ai l'impression qu'on me stream hack. Y'a que moi sur ton stream. Putain d'air. C'est la pire phrase que j'ai entendue de ma vie, je crois. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo. J'atterris à côté de Vas-y. Ça m'est trop chaud, Vas-y. Bah, moi du coup, je joue parce que j'ai pas d'objectif. C'est-à-dire qu'il est. Oh, j'ai remis sur One Stock. Oh bah, parfait. De quoi? J'ai obtenu une remise sur Warstock de 10% sur un véhicule. Pourquoi? Ah si. Mais c'est pas limité dans le temps. Mais il me met des balles. Il est pas gentil, Vas-y. Hein. Je vais te défoncer. Je vais lui faire une guerre comme il a jamais vu. Attention, je suis transformé en natte. Hein. Alors. C'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas un compliment. Quel avion je n'ai pas encore acheté que je veux le Tula porter. T'as le mec, c'est vraiment sa passion, c'est les avions. Oh le cul, il y a un promo. Non mais en fait le quad spécial. Tu te rends compte que tu tiens mieux sur le car que le quad? Ah oui non c'est. Par contre il se retourne tout le temps, genre. Mais il a que deux places ce machin là, le truc blanc là que tu vois. Ils font l'amour les deux. Moi je veux faire l'amour. Moi je roule sans objectif dans ma vie. Je pourrais limite pour acheter le cargo Bob. Mais ce serait tout quoi. Ou sinon c'est une case du casino. Pas du casino mais. Perico. Bon, voilà, vite fait. Enfin, vite fait, on le saura plus de reprises, quoi, mais. Son objectif, c'est de me rentrer dedans ou. Je pense c'est de te faire chier, et ça marche. Tiens, faudrait que si jamais je réussis à amasser une communauté assez grande, que genre, on se réserve une session à 32, et qu'on se fasse la guerre comme pas possible. Genre, on serait plusieurs factions avec les PDG, là. Et le but, c'est de buter les autres. On a le temps. Je crois qu'il est complètement défoncé. Le mec là, je sais pas, il vient vers moi, il me rate 20 fois, il essaye de me mettre des balles, il me rate. Il s'appelle comment le kart? Veto classique. Merci. Veto classique. Bon, je l'attends là, je vais rouler avec mon. Ah, putain, il veut me rouler dessus, c'est ça son objectif. Attends, j'arrive en kart. Mais je lui mets une balle, il meurt. Il est trop faible. Ah, super, ça juge. Mais il est niveau 4, il a pas de vie. Tu juges pas, frère. En plus, il a l'air d'être mauvais en shoot, je lui mets une tête à chaque fois, il me met pas de tête. Il est niveau 4. Bah il est nul. Putain, quoi là. Il vient de commencer le jeu. Bah oui, niveau 4, c'est drôle. Je vais mourir du flicaille dans nos rues. Putain, il va tellement vite le kart. C'est bon.
plus de vie à cause des flics, ça. Est-ce que t'es en train d'insinuer qu'il a un moins bon DPS que les flics? Ça oui, non, je lis, c'est la vérité. Appelle Jean. Les flics, ça fait 20 minutes qu'ils me massaient la prostate. Allez! Au moins ils ont vérifié si t'avais pas un cancer. Ça fait presque. Mais il est à 100 mètres, il met des balles de pompe, il essaye. Quel débit! Oh non, on l'a vu, il spawn. Ah bah, il a dit spawn, je te l'ai dit, mais tu m'as pas écouté. Attends, je vais mettre un marqueur parce que je suis en train de prendre des chemins de traverse avec une arme, un véhicule qui n'est pas fait pour. Putain, mais en fait, j'étais en train de rouler tout seul parce que j'étais en pente. Putain, mais tu vois sur ma tenue verte, Justin, tu vois le haut de ma tenue verte? Oui. Et bah, en fait, ouais. Et bah, en gros, le truc, il est... Il passe en dessous du kart. Mais, je lui dis, je veux pas te tuer, mais des patates. Mais je pense qu'il est con. Je pense qu'il est muet. T'es en train d'insinuer que tous les muets sont cons? Oui. Bah super. L'ambiance est délétère. Totalement. Mais... C'est quoi son objectif à cet homme? Ça m'épuise. S'amuser. Bah oui, mais... Pourquoi il me fait chier? Moi, enfin... Il voit bien que je le défonce. Il me tue juste parce que j'essaye d'être pacifique. Genre, je range mes armes et je lui fais des signes. Le panal qui m'a foutu dans la même sauce. Dans l'âme sauce. Vous connaissez l'âme sauce? J'ai. Volta des Rochers. Oh, il y a mon garin qui est bientôt là. Mon garin. Oh, il y a un mec niveau 3000. Putain, oui. C'est beau 3000 quand même. Tiens, c'est où qu'on peut voir les reliques déjà? Inventaire. C'est inventaire et. Est-ce qu'il a pris? En bas, t'as genre réduction de la roue, un truc comme ça. Ah oui, Warstock. Quoi? Ah, ça se termine dans 42 minutes. Do not understand what you say because j'ai les flics au cul. Oh bah! Il a volé! Putain, la réduc se termine dans 42 minutes, je me dégoûte. Ah bah, c'est une heure la réduc. Ouais, mais j'aurais dû genre farmer pas un gros porc pendant des années avant. Je vais mourir! Oh. En gros, ce que je te demandais, c'est est-ce qu'il était à pied? Ah oui, il était à pied. Mais j'avais vu parce que vu que l'autre parle en même temps que moi. Malky. Malky qui est toujours là. Lui le tue pas, il est gentil, Malky. Oui, ça sent bien, je voulais pas. De toute façon, mais regarde, je suis en quoi. Ah, j'ai vu. Attends, la recherche a encore changé ou j'ai débloqué le truc? Ah, mais ils montent ensemble. Ah, j'ai débloqué le truc. Tu peux monter avec toi mon... Ah bah super. Là, c'est pas possible en fait. Ouais, je commande un véhicule, j'ai compris. On est obligé de tout faire... Vous voulez que je commence la mission maintenant ou pas? Ah écoute, vas-y, moi je suis dans le désert, je suis bien. Réapprovisionnement, vous voulez les matières premières? Avec mon méga bro yo-yo en fait. This one's more like quid pro quo. Oui. 15 000 J'ai été payé 15 000. Quoi? En salaire? Oh, les salaires ont augmenté? Bah, x3, hein, si c'est ce que je comprends. Allez, on va se mettre bien dans ça. On fait la course? T'as quoi comme voiture? Vas-y, t'as gagné! T'es à 1000% gagné, c'est pas drôle. Puis en plus, moi, tu sais que j'ai mes lags. Ah, il tient dessus! On peut voir! Alors attends. Bouge pas, mon yo-yo. Il y a un mec en carte et un mec en Batmobile. Ouais, je te défends! Là, moi, ils m'ont pas agressé, mais toi, ils t'agressent. Des lâches! Tu m'as mis dans la star aussi.
Mais tu tombes pas du car. Je pense qu'on va très vite se faire la guerre là, sur ce serveur là. La bombe du charret. Mon barbu. Ah. J'ai entendu mon barbu alors ça n'avait pas grand intérêt ni grand temps. Ah. Un russe. C'est un beau russe ça. Dans la poche je viens. Hein, comme on dit. Ah, il y a une oppressor ici. Oh non. Ah ouais, il va me péter 1000%. Non, non, c'est moi qui l'a pété. Oui, mais il y a moi après. En plus, tu nous as enlevé le marqueur. Ah bah super. J'entends des explosions, je suis pas sûr. Ouais, il est juste derrière Confion. Oh, secours. Moi, je vois des explosions, je suis en quartier. Putain, mais pourquoi on tombe que sur des connards? Et à chaque fois qu'il y a pas nat, on tombe sur des mecs trop sympas. À chaque fois qu'il y a nat, on se fait... Quoi, attends, mon carte, il est pas mort? Oh, je lui ai mis une balle! Je lui ai mis une balle! Au sniper au pif! Mec, mon carte, il a pas explosé. Non, mais le carte, c'est du cul de fer. Absolument le buter. Je le vois pas. Putain, mais je me suis pris une explosion avec mon kart. Et il est intact. Et moi, ma Batmobile, une explosion, elle était dead quoi. Ah, karting supérieur à la Batmobile. C'est tout. Bah, du coup, moi je suis dans la gigasauce, Nathan, faut que tu te débrouilles. Bien, je c'est trop bien, il dit I don't understand, du coup il répond. Ah, j'ai pas vu, il a répondu en russe. Toujours. Il dit yes, plus yes. Tout à fait, Rosa. Ah, il a répondu mieux. Allez. Ça a été plus drôle que moi sur ce. Tellement pas mon pote. Mec, j'ai tué. J'ai été élu. Ah d'accord, ça m'a tué. Mec le plus drôle de Paname. Il est encore avec son oppressor au loin, mais. C'est bien vu que tu l'occupes comme ça. J'occupe pas du tout, hein. Je sais pas où il est. Il m'a pété une fois, il est parti. Je lui ai mis une bastos. Mais ça a pas suffi à le tuer. Et moi, il a essayé de me péter. Plein de fois, il m'a pété, mais pas mon véhicule. Et ça, c'est beau. Mon véhicule, il a pas plus long. Moi, je vais entendre une explosion, j'aime pas trop beaucoup ça. Tu veux que j'essaye d'appeler mon oppresseur pour voir? Que tu veux, hein. Putain, mais il faut aller à deux points. Mais il y en a deux. Je vais être le plus près, Nathan. Il faut aller où, quoi? Ah, il y en a un très proche de moi et il y en a loin de moi. J'ai appelé mon oppresseur, je vais essayer d'aller lui régler son petit compte. Du coup, je pense le plus proche de moi. Attends, tu vas où du coup? Attends, non, je fais le plus loin de toi. Mais le plus loin je de moi mon véhicule, je l'ai coincé. Et t'as un PNJ, une caillasse la gueule. Bah oui. Ça marche encore ce truc. Vous le voyez encore avec son oppresseur? Il y a beaucoup de PDG et de membres d'organisation là sur cette partie. Putain, mais waouh! C'est devenir la guerre mondiale que je voulais. C'est bien parti pour. Je suis tombé à court d'essence juste devant là le truc où je voulais aller. Super. Ah mec, j'étais bloqué à cause d'une bâche quoi. Ah si, il y a une oppresseur jaune maintenant. Ah oui, de 15 000 de salaire. Ah oui, non, ça stonks, hein. Oh putain. Oh mais là, il va vers moi, le mec. J'arrive, j'arrive. Putain, j'ai cru que j'allais détruire j'suis le truc. Je suis pas loin de toi, Yo-Yo. Je suis pas loin de toi, Yo-Yo. Je fais des drifts, hein, je fais des drifts, hein. Il est où? Je me suis pris un poteau, c'est mort. Il est sur moi. Pète-moi le cul, je vais mourir. Oh, la bataille d'oppresse.
Moi je trace un peu. Putain, c'est con, je vois pas ça. Moi non plus, je le vois pas, hein. C'est pas sûr. Wesh! Tu l'as, Mouyoyo? Déjà, on nous caillasse la gueule. Tu peux occuper le mec en impressant en vrai? Ah, il est mort. Oui, mais je vais la recommander. Bah, il avait la recommander, mais. Je te suis. Je pense que je vais acheter avec la promo le cargo Bob. Oh, faut voler le véhicule! Ah, oui, oui! Ouais. Vous êtes avec une petite carte. Pas de merde, les véhicules de merde, c'est de merde. Dis de merde. Mais il t'a tiré des missiles dessus ou pas? Ah bah oui. Eye contact, il tire dessus. Eye contact, le malade. Il y a Rangona, il me suit depuis tout à l'heure. Prends des routes safe, moi je vais on va se séparer. Si jamais il s'approche de l'un de vous, vous me le dites. Ok. C'est pop très vite ici. Je suis sûr. C'est fou quand même qu'à chaque fois qu'on est avec Nat, on tombe que sur des mecs qui veulent nous buter. Alors, il regarde sa map. Tant que je vois pas l'icône d'oppressor, je pense qu'on est bon. Il va la recommander, c'est sûr. Oui, non, c'est probable, mais vous avez au moins quelques ondes de répit. Non, mais les civils, mais... pire ennemi du jeu en fait, les civils. Je pense qu'il en veut à mon fion surtout. Ouais, mais du coup, vu que t'es avec nous, il en veut un autre. Car c'est le communisme. Eh oui. Enfin, ça y est, on déteint sur Nat, il déteint sur nous. Mais... alors, je vais juste checker la map pour voir si l'un de vous est plus en danger que l'autre. Je pense à surtout être toi, Nat. Ah, ouais. Ah bah, il y a des connards qui me tirent dessus. Oui, c'est normal ça, c'est les PQ. Alors, je sais pas pourquoi il se rapproche de moi, mais il est pas en oppressor. Il te trappe. Il se trappe. Ah! Je pense qu'il m'en veut, Abdoulazir là. Abdoulazir? Ah, t'es bien. Bien, bien. Te calme, Abdoulaye. Faut juste pas que les deux autres gars là qui étaient ensemble au début nous cassent le fion. Tu veux qu'ils te cassent le fion comment? Je suis juste derrière toi en oppressor. Le mec est niveau 4. Puis c'est vrai qu'ils sont 4 et 21 je crois. Ah non, c'est pas non, 221. 256 pardon. Ah mais ils sont juste en face en fait. Ah, il s'est mis en passif. Ok. Le mec casse-couille. Non, les gars en face. Bah au moins c'est bien, ils se mettent au plus fort. Ouais, c'est vraiment mis au passif pile qu'on passe à côté. Quoi. Bah moi je les ai pas vus, mais je vais pas te rabaisser mon yo-yo, mais je pense que c'est surtout de moi qu'il avait peur. C'est normal, t'es une oppressor, t'es jamais serein. Je pense vraiment qu'il veut mon fion, le mec en jaune, par contre. Écoute, on y arrive, son compte. Sur la map, en fait. Non, mais il me suit, mais pas en oppressor. J'en ai pété. Salut. Salut. Ah oui, t'as les piles à gouille, mais ça va. Ouais, mais comme ça. En tout cas, vous êtes bientôt arrivés, et je pense que cette mission d'escorte fut un succès énorme. Un gros drift sa mère. Ah non, il a l'air d'avoir arrêté de me suivre, Zuru. Tu peux péter le véhicule qui est derrière moi. Il y avait tout qui me tire dessus. Là voilà. Tu m'as demandé un truc, le seul truc que j'avais à faire c'est clic droit parce qu'il était log depuis tout à l'heure. Mais je préférais garder mes missiles pour une possible guerre. Mais c'est le mec niveau 3000 qui nous a pété en plus. Oui, oui. Je veux pas douter de sa sincérité, hein, mais je pense que c'est un beau modo. Ou un mec qui s'est fait booster en tout cas. Mais attends, mais 15 000 c'est ultra strong en fait, non? 15 000 au minimum, donc ça veut dire que le max c'est 30 000. Bah attends, parce que ça se trouve c'est pas doublé comme ça se trouve on gagne encore que 5 000. Non, mais non, la dernière fois qu'il y avait eu ça, je crois que c'était déjà. Ah, mais c'était pas aussi pété, hein. C'était pas 15 000 dès le début. Non, c'était que x2, mais là c'est x3. Eh merde, d'accord, c'est là. Ah, tu l'as même pas modifié encore la voiture de Dave. Ah non. Ah, tu vas pouvoir avoir la voiture qui démarre en Y. Et toutes les SUV apparemment démarrent en Y. T'es trop bien mec. Eh ben. Acheter toutes les SUV du jeu. C'est parti. Ah oui, donc Rangoga à la mallette. Oh non. Et je vais acheter le cargo Bob. Ah ouais, t'es comme ça. Je vais acheter le petit Bob. Bah ouais, j'ai une réduction de 10% à la moitié pour eux. Parfait ça. Attends, je vais vérifier qu'elle est encore là. Hey,
Ah, y'a le mec en oppresseur. Où ça? Ah oui, il arrive pour mon fion là pour le coup. Attends, on va. D'ailleurs, vous pouvez détruire le véhicule de Dag d'ailleurs. Alors attends, moi je regarde mes missiles. Je le fais. Là, clairement, oui, il s'approche de moi. C'est fait. Merci. Il me relance missile. Morse Mutual, how can I be of service? I think we can do that. Et ensuite. Ah putain, il a réussi. Stock. Oh! Oh! Tu l'as eu! J'ai tiré que un missile! Mais attends, il va respawn là! Préparez-vous. Au pire, tu sais qu'on a juste à rentrer dans le bunker. Ouais, c'est vrai. Non, où est le cargo Bob? Il est là. En vrai, c'est incroyable ce qui s'est passé, non? Non! Non, quoi? Attends, la direction. Oui! Non! Mais t'as pas assez, du con! Attends. Non, mais il y avait la réduction. Ah. La transaction est échouée car les données inventaires ont été prises sont invalidées. Je pense que tu dois avoir le prix non, de c'est base. Non, mais... c'est bon! C'est bon, j'ai eu la réduc! Non, attends, échec. Oh. Attends, non, attends. Ça m'a pris l'argent. Non vendu. Et ça m'a pris l'argent. Vito lance missile. Attends, c'est quoi cette douille? C'est quoi cette douille? Ça m'a pris l'argent. Non, ça me l'a rendu. Moi je rentre parce que j'ai les flics. Ça te l'a rendu ou pas? Ça me l'a rendu. Ah, mais... Pourquoi il est pas 7K? Pas que 7K, mais. Le mock. Bah parce que. Je sais pas. Il a pris le mock. Pour la PC, pour le modifier. Je veux voir pour le modifier combien ça coûte. Mmh. Eh, en vrai, incroyable ce qui s'est passé dehors, non? De quoi? Bah, il me pète, et genre j'ai tiré un seul missile et ça le repète. Oui, non, c'est ouf. Oh non, ça dégoûte. Il me manque rien pour l'acheter, et le jeu. Et le jeu veut pas me le donner. Je pense qu'il aime pas le fait que t'aies pas le prix de base. Putain, mais il me manque rien pourtant, là. Non, mais en fait c'est trop fort le bunker, ça t'enlève instant les flics. Bah oui. Il est toujours là monsieur, je suis énervé du slip. Y'a pas une mission de vite dev qu'on peut faire pour gagner vite fait de la moula là? Ah oui, il est là. Et il arrive vers nous, est-ce qu'on fait la guerre ou pas? Bah il a l'air parti pour donc. Ouais j'aimerais bien, mais même si j'aurais aimé avoir la réduc. Alors on va essayer, oh, c'est blanc immaculé chez toi. Attends, je crois qu'il m'en veut à moi, hein. Vraiment c'est... Bon, peut-être un peu à moi, je lui ai mis une balle aussi. Si je vois un point rouge... Ah mais merde. Parce que je vois sa tête. Hein. Attends, je le vois plus là mais... Oui, le minigun. Oh, il a dû se faire livrer une... Non. T'as vu le chien ? Putain, je suis triste, je peux même pas avoir la PC, quoi. Oh, la tronche c'est énorme. Belial, le belliqueux. Je me dis, go, je peux même pas avoir le cargo Bob. On va peut-être te mettre à l'abri parce que tu nous feras perdre de l'argent, sinon. Je le vois. Non, je le vois pas. Genre, Justin, tu peux pas te mettre genre en PDG pour que je puisse gagner de la moula vite def? Alors, je suis concentré à mettre des balles de snipe. Ah, mon APC est par là-bas. Il est où? Vers le méchant. Ah, j'ai vu son... Il est vers le... J'ai vu du rouge, là. Hein. Putain, mais donne ta mère! J'ai peur de rentrer dans l'APC. Oh, GG. Une grosse tête. Tu veux que je me mette PDG? Bah, dissous ton truc, alors. Ah oui. Alors, c'est il est juste à ouais, il est juste à côté. 16 500, ouais. Vas-y, mets-toi des PDG. Alors, attends. Deux secondes, du coup. Ouais. Putain Tony! Putain la même il m'appelle. Tout le monde m'appelle pour me casser le cul. Je crois qu'il en a plein le cul mec. Je sais pas. Mais c'est lui qui a commencé la guerre en plus. Ah oui. On a quand même bien boulot ça. Défendez-moi juste deux secondes. C'est bon. Bon on veut pas perdre de thunes hein. Putain, c'est stonks de fou! Putain, y'a un mec qui veut me recruter! Oh, je me dis quoi, je peux plus modifier du coup mon APC! Y'a un mec qui veut me recruter! Oh, t'as fait!
Il va te tirer dessus. Hein. Oh, il a plus de vie, Nat. Il a plus de vie. Je l'ai écrasé. Il avait plus de vie. Je l'ai écrasé. Putain, on a perdu 7. On a perdu 750 de salaire. Bah oui. Oh. Attends, mais que 750? Protégez-moi. C'est toi qui tire, non? Oui. Okay. Je vois pas de point rouge par les explosions du connard. Honnête, sans je pas le vois. Honnête, il va voir. Et... Oh oh oh. Je vois juste les tirs. Je l'ai eu. Pour un niveau 3000, il est pas foufou, hein. Bon, en même temps, on est... Sinon, il va qu'à la machine gun, donc oui. Ouais, puis on est 3 contre 2. Aussi. Je le vois, mais par contre, je peux pas l'avoir, il est trop en destruction. Attends, j'arrive au sniper. On va lui refaire le cul, hein. Il s'est caché dans la brouillasse. Arrête de tirer, Nat. Ah non! Ah non! Un job du casino! On fait quoi? Refuse! Un job du casino? Oui, j'ai les trucs du casino comme pour Dave. Ah d'accord. Une grosse tête. Putain, j'allais lui mettre. Au moment où t'as tiré, j'allais lui mettre. Une grosse tête. Tu sais, moi j'étais un peu discret, tu vois, je me mettais là, derrière un peu les fourrés. Oh! Mais là, tu fais du spawn kill là. Ouais. T'es sur la tourelle. Mais non! Grosse tête! Mais non, mais j'ai. Tu sais que j'attendais juste qu'il se décale vers ma cible. Attendez, ça vous dit qu'on le provoque? Comment ça? On lui envoie noob. On lui envoie noob. Fais ce que tu veux, mais moi je fais pas ça. Ok. Je mets des balles dans la tête et ça se passe très bien après. Il va vraiment mettre noob. Voilà. Il va te dire get the fuck up. Ah, il prend son sniper, je crois. Tu sais que t'es un joueur toxique, Nat. Oui. Tu sais que t'es le genre de joueur qu'on déteste sur Rocket League. Ah ouais. Bah hey, c'est lui qui nous a attaqué, hein. C'est vrai que c'est lui qui a commencé à déclarer la guerre. Et il la maintient, hein, sinon il pourrait juste partir. Oui. On le chainlock, mais on le chainlock parce qu'il nous affronte. C'est vrai. Il va, je sens que tu vas mourir. T'es trop immobile comme une plante. Je suis une plante. Vous savez, c'est tous les combien de temps le salaire? 20 à 40 minutes. Ah, il me tire des balles. J'ai vu. Mais je sais même pas c'est quoi son nom. T'es trop de face avec tes fenêtres, mais montre ton beau flanc ou ton beau cul, là où il peut rien faire. Ah, j'avoue. C'est vrai qu'il y a un mec qui veut me recruter aussi. C'est le mec en bleu? Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un petit machin, mais j'appelle Lester. J'ai un peu les flics au cul. Putain, mais en fait c'est les flics qui m'ont buté quoi. Ouais, Lester, tu commences à mettre du temps à répondre. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est pas cool pour la police. Mais c'est vrai que le mien il est pas gratuit. Si t'as un petit boulot qui peut se faire rapidement, je signe, je prends. Ouais, je vais mourir. Adieu. Moi, c'est un pixel. Dis quoi, Nat? Si un petit boulot qui pourrait se faire rapidement, qui me rapporterait assez de moula pour acheter le machin là, je prends. Ah bah, on peut commander le Terror Byte, mais avec l'autre connard. Ouais, mais c'est des trucs qui se font là dans le serveur. D'ailleurs, il arrive. Ah oui. Ouh, go. Ça fera plus de chaîne. Il est sur la route, je le vois de là sur mon sniper. Bah, attends, je conduis au pire, Nat. Ouais, vas-y. Et t'as combien de temps? Je peux conduire plutôt? Bah, trop tard. Bah, tu peux toujours le tèche. Je vais faire. Yes, vraiment du plaisir.
T'es le BDG, ton boulot c'est de survivre. Par contre, le gros, il vient vers nous. Pourquoi les filles qui se prennent des balles? Parce que l'autre est derrière. Je me prends des balles, hein. Il m'a mis des balles, j'ai plus de vie, hein. J'ai un pixel. Ouais, mais voilà, t'es pas mal. Commande, bah, du coup, le MOOC. Ah, mais il va nous faire chier jusqu'au bout celui-là. Mais on est en RPC. Une mine. J'en mets une. J'en mets qu'une seule. Et si je le bute là-bas, hein. Ça me... il est pas sur la route. Parce qu'il a l'air de suivre la route. Le terror bait, il va arriver dans le coin là. C'est pas moi qui conduis. Vous le voyez? Il a spawn quelque part. Non, il joue terror bait, mais pas spawn. Putain, mais il y a tout. Il est où le terror bait? Le terror bait, il lui faut une trentaine de roquettes pour exploser. Hein. Donc dedans, on est pas mal safe. Il est où le terror bait? Je vois pas. Ah non, c'est bon, je le vois, je suis un gros con. Ça oui. Alors là, mais tu me fais plaisir de le dire. C'est exactement ce qu'on pensait depuis des années. Mais ouais, de fou. Cette arme m'a extrêmement poussé. Votre véhicule est avancé, monsieur le PDG. Oh. Est-ce que j'avais besoin de descendre moi? Non. Par contre, shoot le mec, on le voit. Il est où? S'il s'approche, shootez-le, n'hésitez pas. Il y a un mec sur la colline. Je crois qu'il est trop loin. Ah non, ça l'a fait. Non, mais t'es parfait. Mais du coup, on peut pas klaxonner. Oh, du coup, on a plus de flics. Oh, oui, bah attends, est-ce qu'on a besoin de Justin ou pas, profession? Je pense pas. Bah, je sais pas. Bah, mais attends, déjà, faut que je repère la banque. Hein? Ah. Encore le mec. Moi je suis le dos de la PC. Parce que là, s'il vise bien la fenêtre, il peut vous mettre une belle bastos. Ouais, mais il a l'air con. Il a l'air d'être au minigun, quoi. Non, il y est plus pourtant. Ah, bah c'est dans Los Santos. Bah écoute, on en a plus. Et t'as besoin d'y aller là? Je crois pas. Hein. Moi non, mais je vais pas rester là avec monsieur. Bah. Ouais. Non, mais faut j'emmène le power bike. Faut pas le laisser là. Bah, je défoule. Si j'ai la batterie anti. Ah non, c'est que au sol. Si vous voulez, il y a quelqu'un qui aurait pu venir avec moi. Je pense que c'est mieux avec la PC. Ouais. Mais parce que là c'est. Ah. Je vous protège. Hein. Oui, on a vu ça. Putain, tu te rends compte que t'es arrivé à me viser de loin? J'avoue. Je vois le planer. Oh là là. Si vous avez vu, j'ai fait du 2 roues. Oui, on a vu. Bah, du 3 roues parce que j'en ai 6, mais. Non, mais t'as des panneaux solaires sur ton truc, j'avais pas vu. Mais oui. Et tu vois, l'espèce de truc juste après les panneaux solaires, c'est tout le truc anti-aérien. Mmh. Il vous met encore des balles, j'ai vendu. Ouais. Qu'est-ce les couilles, hein. Je vais terminer, Yel. On a moins de 16 minutes pour terminer la mission. Hein? Ah oui. Mais elle est rapide celle-là. Mais elle rapporte pas. Non, c'est moins de 20 flics. Non, parce qu'il a sa réduc. Ah. Mais rentre-moi pas dans le cul. Ouais, mais t'as qu'à avancer, gros tard. 149 000, il faut que je gagne genre bon 40 000. 40 000, 45 000. Ah, on a autant de planches l'un que l'autre. Non, t'en as plus que moi. Bah, en même temps, je suis plus gros. Ça se voit. Eh, je vais quand même bien vite, hein. Pourtant, j'ai boosté la PC. Bah, je l'ai boosté à fond, moi aussi. C'est tout. Puis ah, bon, oui, là, c'est on barré. Oh oui! Oh, il a racheté! Donc on l'a défoncé, il a essayé de nous défoncer, il a pas réussi, c'est bas. Ouais, on est juste trop fort. Ouais. BG. Mais en prenant les raccourcis, j'arrive avant. Ah, ça c'est le karma ça! Ouais, là, j'ai un arme. Il y a quand même quelques balles sur mon terror bike, c'est malin. Sinon, pour ajouter des explosions. Ouais. C'est qui Guillaume MCN, nouveau follower? Ah bah ça c'est celui qui m'avait follow la dernière fois. Bah oui, mais pourquoi c'est écrit nouveau follower? Je sais pas. C'est des mais abos du coup, merci pour le follow. Non, je sais pas, apparemment ce serait pas le seul pour le problème, genre Rezb le Slab il aurait eu ce problème là, il s'est follow deux fois. Moi j'ai jamais eu ce problème de ma vie. Bah je vois ça, vous êtes pas refollow. Normal parce qu'on est déjà. D'ailleurs, il y a combien de personnes sur le stream? Moi. Y a toi?
Et il y a eu un gros notification de follow. Ouais. Tu peux te follow sans regarder le stream. Le pire c'est que j'ai le moment où il y a eu la notif, c'est le moment où j'ai regardé. Waouh. En même temps, je crois que j'ai mis un pop-up d'alerte. J'ai mis un pop-up d'alerte, mais j'ai pas entendu, je crois. Ah non, faut les tourner. Oh la trahison. Ouais, c'est lui, je me sens trahi. Putain, mais il trace ce camion. Mais ouais, genre, moi je pensais pas qu'il allait être plus rapide que le PC. La même. Bon, par contre, c'est pour les virages, c'est un peu plus tendu que vous. Non, toi. En plus, il y a eu que de la pente là, donc ça m'a mis full vitesse direct. Non, je suis obligé de faire un drift sur 20 km. Ouf. Ouah. Qu'est-ce qui s'est passé, mon pote? Ouais. On a fait un magnifique saut de moto. Ah oui. Je vois ça. Ah, il y a retour des lags. Quoi? Il y a eu des quelques lags là. Non mais c'est moi. Ah c'est Yoann. Il lag toujours un petit peu Yoann. Mmh. C'est normal. Et... Voilà. Je vais pas chercher. Là du coup on a une pression de malade hein. Éliminer les braqueurs. Eh c'est pas là où Nat il avait décidé de nous casser les couilles. Si. Si j'avais même réussi à vous briser. Ah yes, t'as tiré dans le panneau, du coup t'as explosé, t'as un peu explosé ton appétit. Chut, il était pour. Oh, j'ai défoncé. Bah, t'as un canon. Faut rentrer dedans, par contre. Oui, il faut rentrer. Non, mais j'ai c'est tout à l'intérieur en fait. Là, pour moi, t'es en petit pause. Du coup, moi j'ai pas la police, donc si vous voulez, vous rentrez dans le Terror Byte juste après. Ah oui, il est en petit pause par terre. Les jambes. Non, on revient PC. Attends, il faut se mettre la police. Bah attends, reviens. Oui. Mais non, mais rentre pas là. Ah, je ne peux pas viser l'arrière, je peux pas viser l'arrière, toi tu transportes de l'or. Ah. Ah non, non, pour la police. Pas la police, non. Non, vite. Non, gros tas de merde. Il y avait la police qui faisait chier. Ah bah super, j'ai une position de merde. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai roulé un peu trop vite. Oui. Ah mais t'étais pas encore dedans. On y va. Oh. Malski qui a tué son partenaire de toujours. Vite les amis. Vous avez pas le même marqueur que moi. Bah non, on a la police. On a pas de marqueur. Ah oui. Je l'appelle Lester. En fait, je pense que... Putain, les flics, ils nous ont pas vus. Hein. Ouais. Je pense qu'ils ont entendu que le Terror Byte te trace. Parce que quand tu fais une mission, souvent, tu la finis pas là où t'étais. Donc, il est super loin. Il est fait pour être utilisé dans la mission. Ouais, c'est vrai, dit comme ça. Quoique non, quand tu as de l'or, tu peux pas monter dans le Terror Byte. Tu peux sûrement pas monter à l'arrière, mais peut-être à l'avant. C'est vrai. À l'avant, c'est un véhicule comme les autres. L'arrière, c'est une salle. C'est pas pareil. Il te reste combien de temps, Nat? Alors, promo. J'ai peur qu'on soit juste niveau time. Alors là, ça doit faire 6 minutes, donc il va rester 10 minutes à peu près. Merci, vous l'inventaire. Moi, en tout cas, j'ai encore eu des RC pour changer. Ça fait plaisir. Moi, j'ai eu un chemise sans manche camo. Il nous reste 11 minutes. Tu vois là le truc de la voiture, bah je le trouve juste à gauche. En fait il faudrait que vous ayez un salaire et l'argent que va rapporter la mission parce que là le cooldown il est long. Sinon on voit que les petits magasins de proximité là. Ça rapporte que dalle. Ça rapporte comme de la moula. 2-3 000, c'est rien. C'est comme de la moula. Et ça se trouve, tu sais que ton problème sera peut-être même pas réglé en plus. Putain, si c'est le cas ça te dégoûte. Oh putain! Hop, je vous attends à côté du point. S'il faut relancer une mission, je pourrais te parer quoi. Oh! Le salaire! Ah, ça fait plaisir. L'aura-t-il vrai? Oh oui. 31. Oh non! Il a 10 000! Non mais t'inquiète. Attends, je sais.
Va au casino, t'as plein de thunes, gros con. Oui, le casinal. Bah je te laisse. Vas-y. Tu veux venir avec moi, mon méga sauce? Non, c'est bon. Quoi? C'est bon. J'ai appuyé sur E, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai appuyé sur E en sortant de la PC. Vite. Oh, viens, Yoyan, viens, rentre dans le machin. Cargo. Ah, pas là. Rentre dans le terabyte, oui. Tu vas t'amuser. Oui, ça marche. C'est chez Pegasus ouais, maintenant. Maintenez contrôle. Je crois que tu peux faire en sorte qu'il soit à toi et que tu puisses le modifier dans et le hangar. Bah, je sais pas, je crois, hein. Oula. J'ai oui, dire que. T'es où, Yoyan? Oui. Tu vas pouvoir utiliser les drones que j'ai achetés. Je sais plus lequel des deux c'est par contre. Pour ce soir. C'est où que je dois aller pour. Ça doit être ça les drones. Dans lui. Ouais, là ça doit être les missiles. Je dois aller où pour le... Pour utiliser le drone. Oh là là. Pegasus, t'appelles Pegasus? Non mais pour convertir le... Bah, je sais pas du tout, attends. Vas-y, sors du machin. Alors attends, deux secondes. Cargo. Hello, Pegasus Lifestyle Management, how can I help you? Souma. Ah mais c'est exactement les mêmes drones que... dans la gare d'arrêt. Call again. Goodbye. Quoi? Tu craches quoi? Ah non, c'est juste une cacophonie. Ah non, c'est... Ah oui, mais c'est chiant, ça le fait tout le temps, ça. C'est pour ça qu'il faut que ça soit pas lui, le PDG, en vrai. Pourquoi ça le fait tout le temps? En fait, ça lui fait quasiment tout le temps, maintenant. Ah ouais? J'ai pas l'impression qu'on puisse le modifier, en fait. Bon, c'est déjà fait, on a le cargo Baba Volonté au moins. Je rejoins ou pas du coup? Bah oui. Bah ouais, mais je vais pisser mon joueur. Fais en PDG. FF. Ah oui, Pegasus, ça donne quoi? Through to Pegasus Lifestyle Management, how can I help? Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Putain, j'ai que $2000, quoi. Oh, t'es vraiment pauvre. Ouais. Salut! Par contre, attends, il y a spawn où le. Ah, il est là. Tu veux pas me mettre en tant que ça? Si, si, bah rejoins. Rejoins la PC déjà. Non, mais tu veux pas me mettre en tant que ça? Si, si, bah. Si. Je suis ton ça. Hop les. Non, mec, on doit aller si loin. C'est ouf. J'avoue. Je vais voir si je peux la porter ou... Je peux être avec vous. Mais je l'ai invité, je t'ai invité là. Non. Aucun ami. Aucun... Ah mais je suis PDG, je suis encore PDG. Ma faute. Putain, c'est pour ça qu'on est. J'oublie à chaque fois que ça transfère le fait que tu sois PDG. Fais péter la cible. Elle a pas pété? Non. Oh, tu sais, nice. Ah mais non, on devait les défendre. Ouais, je sais. D'accord. Ah, il faut monter. Ouais, le cargo Bob est à l'hôpital. Les trucs véhicules Pegasus, ils spawnent que à des endroits où les hélicos peuvent spawn de base déjà. Ou un truc. Ah non, il est bien chiant. Ouais. C'est tout un slow, le héros de tous les temps. J'allais dire attends quoi. Ah oui, surtout parce qu'il y avait une chance avec Pegasus que le truc il s'ouvre, ne spawn même pas en fait. Ah. Parce que t'as déjà un hélico qui a spawn ce moment-là. Je peux pas m'amuser avec vous les copains. Non.
Alors, voyons voir, interaction. C'est, ça doit être porte, véhicule, porte peut-être. Ah oui, véhicule. Peut-être, je pense. Porte ouvrante. Toute. Ah non, c'est pas ce véhicule-là. C'est un véhicule important, imposant, non? Un véhicule imposant, non. C'est les genre Cossette. Non, mais attends, vous êtes en train de dire que je peux même pas ouvrir les portes. Mais porte je sais pas comment ça fonctionne, ça. Toute. Je trouve que ça a été nerf. Ouais, ça va cibler ta voiture plutôt. T'as un peu de plus et j'allais partir sans toi. Mais attends, de te rebondir que je m'ai même acheté, je peux pas l'ouvrir les portes. Bah, je dois taper le cul. Hein. Ça te dégoûte en fait. J'ai envie de rentrer. Attends. Attends. Oh non, tu te décales, Johan. Ouais, tu me casses les couilles. C'est trop chiant, je voulais essayer. Attends, de... On voit des rouges là. Attends, je vais voir si je pourrais pas genre aller à mon hangar. Attention, Nat, t'as la porte de l'autre côté qui est ouverte. Pas grave. Ça va faire plus d'oxygène. Ah, parce qu'il y a une ah non. Bon bah au moins on a un crocobob à volonté quoi. C'est une maigre consolation pour le prix que t'as payé. Oui. Le cargobob c'est pas dur en plus à trouver. Oui. Nat est resté, t'as combien Nat, fais voir. 2000. T'as plus deux fois sur W là que je vois toute ta fortune. Je crois qu'il a dit 2000 c'est bon. Ça veut dire là pour l'appeler le cargobob t'as utilisé 10% de ta fortune. Oui. C'est si triste. Mais oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais tu pars à quelle heure toi là déjà? 22h, mais en vrai j'ai envie de te dire demain je m'en bats un peu les couilles parce que je fais qu'une demi-journée. Ça, et c'est les vacances en plus. Oh bâtard, t'es en vacances. Ouais. Bâtard. Pourquoi? Parce que c'est non, c'est la semaine prochaine pour toi. Mais quand on est en études supérieures, normalement c'est qu'une semaine et c'est la dernière semaine des deux. Oh putain, c'est vrai. Vous me mettez peur, j'ai l'impression que je vais pas être en vacances. C'est rare qu'en études sup qu'il y ait deux semaines. C'est rare. Bah, t'es c'est que vacances de Noël et... Je vais me chercher du Coca Vanille, j'arrive. Oh putain, le mec il est zombie quoi. Bonjour. Comment t'es dégoûté? Non mais tu te dégoûtes en fait. Vous me dégoûtez aussi mais je le dis pas, c'est tout. Et tout ce que t'as pris le truc le plus dégueulasse. C'est le meilleur. Vive le Coca Vanille. Après vu que t'as des goûts de merde, tu sens bien le meilleur. Pourquoi voir au Coca Vanille. Ouais, si on n'était pas potes, t'aurais déjà cassé la gueule au moins 30 fois. Ouais, désolé. Tu t'as dit qu'on était potes, hein, ça je le retiens, tu pourras pas me dire que tu l'as pas dit. Ouais. Ça, oh c'est non. Non, je veux pas rentrer avec. À la bonne baise. J'espère que t'es content de cet investissement. Attends, tu peux pas. Oh non, ça n'a pas rien converti. Oh non, il a été converti. Oh ouais. Il a été converti. Je l'ai dit. C'est parce que j'étais en train de me dire que je peux pas bouger donc. Il a été converti alors. Gazus réclame ce véhicule. C'est faux. C'est faux. Je réclame ce véhicule. C'est faux. Ça, je pouvais pas te taper. Il est maintenant au dépôt. Ah non, on est ensemble. Oui, mais souvent on peut se foutre des petites tatanes quand même. Bah non, t'as pas le droit. J'ai même pas le droit de te foutre une quiche. Ah bah ça y est. Putain, je suis obligé de te mettre des quiches retournées quoi. Oh là là, le cargobob. Il est là, il est beau le cargobob. Du coup son achat n'a pas servi à rien, merde. Oh là là. C'est un bon truc personnel. Je trouvais ça bizarre aussi. Putain, j'aurais pleuré si j'aurais pas pu le convertir. C'est bizarre, je l'ai pas trouvé ça sur internet qu'on pouvait le convertir. J'en étais sûr, mais j'ai pas vu de forum. Même sur le wiki, ils le disent pas. Attends, on peut juste changer sa peinture?
Oui, mais c'est ton véhicule personnel maintenant, Nat. Oh. Ouais, mais c'est que la peinture, quoi. Bah, il a pas d'armes. Bah attends, je vais aider, je vais quitter, je vais sortir du hangar avec le véhicule. Ouais, mais quand même, genre une extension pour pouvoir en rajouter, quoi. Genre des mitrailleux sur le côté, un truc au con. Ou même une puissance du moteur ou de protection. Et ouvre-moi le cul. Alors voyons voir, véhicule. Porte ouvrante toute. Ouais. Oh là 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 là. Bon, du coup, l'achat a été rentabilisé. Et voilà. C'est par là qu'on va. Et là, imagine vous faites contre un nazi parachutiste. Là-bas, j'ai dit. Ah non, il a refermé. On fait un achat de parachutiste. Oui, je crois, oh, je me suis fait tire, t'es où? Attends, t'es pas tombé? Tu suis à vous, je suis à travers le coin. Ah, mais il y a une qui court vers la porte, il disparaît, je me dis, mais il est où? Attends, mais t'es tombé du coup? Ah oui, je suis. Il est mort! Bon, mon gars. Ah non, non, il est encore vivant. Non, il a dû tomber. Non, non, mais il est là. Oui, mais il est mort. Oui, mais je suis quand même mort. Ah, t'es mort! Mais oui! C'est mes oui, c'est mon message. Ouvre-toi! Ouvre-toi! Oui. Ouvre-toi! Salut! Bienvenue! Allez, je cours! Ouais! Gérard, rien, cette porte! Du coup, c'est trop bien! En fait, non! Tu sais, c'est quoi le problème? Je vais te montrer c'est quoi le problème. Du bug de collision? Ne ferme pas la porte. Donc, la porte est bien tangible. Mais cette merde là, cette merde ici, elle est pas tangible. Du coup, tu passes à travers. C'est beau, je veux fermer. Off we go. Alors, j'ai un test à faire. Attends, on va tester à deux. Ah, mais attends, j'ai trop envie de tirer en fait. Alors, qui est-ce qu'on va faire chier en mode parachutage? Là, tu vois pas les merdes qu'on fait dedans, mais. Attends, décale-toi sur la droite. Tu... Ah non, non, pas maintenant, tout à l'heure. Tu sais que j'ai très envie de recourir là. Allez, on va se parachuter sur ces gars-là. Y'a un gars, un oppresseur, faut se parachuter de pareil. Monte super haut. Monte super haut et nous, on va juste courir derrière. Genre là. Courir derrière. Oh oh. T'es où, Johan? Je suis pas tout seul. Oh non, j'ai des rollbacks. Je peux pas rester derrière. Je me suis déplacé, mais j'en bougeais plus. Du coup, j'ai littéralement spawn dans le vide. Pour moi, tu spawnes sur mon... dans les îles de mon vide. Hey, salut, ça part. C'est minable, c'est du coup. Tu peux pas rentrer par là. Okay. Ouais, c'est bon. Je vais attendre. Mais... Oh merde. Qu'est-ce que c'est le panthère? Faut bien parachutiste. C'est qu'il a quand même réussi à ne pas m'écraser. Bah oui, il y a un trou maintenant. Parce qu'il y a la loupe. On a un problème de porte. Bon bah, faudra sauter sans avertissement. Alors... Vas-y, mets-nous devant des mecs à faire chier. Oh là là. à tout moment, on perd Yohan. À tout moment, il disparaît. À tout moment, on perdra l'hélico plus vite, je pense. Et du coup, le titan. Ouais, mais il sert pas à grand chose, le titan, si. Bah, c'est vrai que c'est il a une trappe pareille. Hein. Elle s'ouvre la trappe à l'arrière du titan. À une époque, oui, mais après Rockstar est en scié, je ne sais pas. J'ai envie de faire un truc, du coup. Attends. Viens, on le fait à deux. Oui, vas-y. Battu. 3, 2. Attends, tu te mets devant moi. Tu peux pas tirer, tu te mets devant moi. Mais je suis derrière. Ça te déstabilise pas? Non, ça fait rien. Par contre, ça fait fumer l'hélico, ça. Bah, il fumait déjà assez bien, en fait, l'hélico. En même temps, j'ai enlevé la portière.
Vas-y, non mais vraiment, mets le cul de l'hélico face à des mecs à tuer et je teste un truc. Ouais, on tu vas essayer de voir si c'est efficace ou pas, quoi. Mec, je suis prêt. Par contre, je garantis rien, l'hélico il fume déjà pas mal. Ah bah il est mort. Non, vous avez détruit l'hélice. Oh, mes amis. Non, il part en chute. J'adore comment je me suis envolé. Moi, j'ai recommande-le. Recommande-le. On est tous morts. Ah, mais en plus, j'ai sorti mon parachute, mais pas à temps. Tu sais, j'imagine les mecs qui sont en train de se dire les trois de la même compagnie sont morts. Oh, mais c'est trop bien. Putain, j'avoue. Oui, non, attends, c'est par là qu'on veut commander le véhicule aérien. Oui, là, du coup, t'as plus besoin d'appeler Pegasus. J'avoue. Attends, on dirait que c'est sa place d'origine, quoi. Il est où le cargo bomb maintenant? Ah, par contre, il spawn toujours à des endroits de merde. Là, c'est toujours un hélico, en fait. Putain, j'ai pas pu tester mon joujou. Et, en fait, j'étais en train de changer de tenue. Pour être raccord, alors. Mais je suis pas totalement raccord. Putain, c'est passé du pire investissement de ma vie au meilleur investissement de ma vie. Voilà. Jean-Michel Tortue, là. Oh, il était immonde pour eux. Je suis en mode militaire, hein, je vous le dis. Moi, je suis en mode de Greenpeace. Ah, mais il est de côté, l'avion. Ça, il est de côté. Il est de côté, là. Je vois pas de marque. Là-bas. C'est ce genre de comportement qu'on a la police, tu sais. Par contre, j'ai toujours pas eu de salaire, tu m'écoutes. PDG de mort. Bah, je suis mort de votre faute, donc bon, oui. Normal. Comment ça, de notre faute? Nous, on s'amusait bien à l'arrière, hein, Johan. Ah, mais on n'a pas perdu d'argent. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser. Tu t'es suicidé. D'ailleurs, oui, c'est... non, c'est vous qui avez cassé les hélices parce que de mon côté. Attends, on a gagné la moula parce que le team a survécu. Ma fortune a plus que doublé là. Et je t'ai donné 3150$ samedi. Putain, la même. Et il y a une oppresseur derrière nous? Non. Si, si. À tout moment, je sors de la voiture. Mais t'arrêtes pas? Gros con! Non. Ah. Pourquoi tu t'es arrêté? Bah, j'avais pris la mauvaise sortie. J'avais pris la mauvaise sortie. Mais tu continues! On dit qu'il y a une oppresseur au cul! Désolé, on me parlait. Attends, on est tous les trois dans le même véhicule. Trop beau pour lui. Mais attends, mais. Et surtout que le mec, ça veut dire. Il m'a dit. Enfin, genre, le jeu, il m'a dit que je l'ai déjà buté 3 fois et il m'a déjà buté 3 fois. Pour moi, je l'avais déjà buté 5 fois. Et c'est la première fois qu'il me butait. Nath, le mec le moins habile face à un oppresseur. J'avais pas vu. Il en voit une, il s'arrête. Mais en fait, t'essayes, il nous écoute pas. Bah, j'étais en train de parler à ma mère. Bah, déjà, on parle pas à sa mère quand on joue, on parle aux copains. Alors. Ouais. Oh, le salaire. Tout. Bah, pas moi. Ah, j'ai bientôt gagné 100 000. Ah, attends. Parce que. Il est important de rentrer dans le véhicule officiellement avant de faire ce qu'on fait. Comme ça, ça te donne un parachute. Ah. Notez-le bien. Ton perso, il a l'air trop con. Tu veux pas? Ouais, voilà. Donc, je vais tester un truc. Je vais y arriver, je vous le promets. Oui. Fermez les portes. Je veux savoir pourquoi Rockstar ne... entre guillemets, banne l'utilisation des trappes de la plupart des véhicules, c'est parce que ça fait bugger le jeu. Et du coup, ton perso est TP même si quelques secondes, ton truc est TP ailleurs, ce qui fait que ça peut casser les hélicos, comme ça a été le cas. Alors, du coup, où est-ce qu'il y a un joueur à faire chier? Ah bah, on va retrouver l'oppresseur Kuhn. C'est quoi? T'essayes de courir et de... voir, c'est trop bien. Déjà, j'ai d'autres trucs à essayer avant. Il va nous canarder, l'oppresseur. On arrive bientôt, chef. Ouais. Ah, vous avez ouvert la porte, chef? Ouais. Tu crois qu'on peut marcher sur la porte? Nous allons. Non, je tente pas. Tirer. Mais il est où? Je le vois même pas sur la map. Non plus. Derrière, en dessous. Bah, t'es mignon, c'est pas très stable non plus, hein, ton affaire. Il va venir de Gergolande.
Je le vois pas. Ah mais je le vois, mais il est parti plein de balles. C'est non, laisse tomber, pas cette type. Il est déjà reparti, il dégoûte. Attends, parce qu'il est parti, mais il va peut-être revenir. Il revient, il revient, il revient. Le problème, c'est qu'on voit pas grand chose de notre position. Là, ça me donne pas envie de gerber, mais on voit que dalle quoi. C'est un toujours volant. Là, il est là, derrière nous, derrière nous. On a tiré dans le coup. Putain. Pourquoi on est mitonné? J'suis pas mort. J'ai du fou, bien la merde. C'est toi qui nous as buté. J'ai testé un truc. C'est qui spam nous? Bah je sais pas. Mais mec Capulou OZ là il a piece of shit. J'ai pas envie de dire où parce que 100% ça va être dans mon cul. Donc... Bon, mais laisse parler, c'est bon. Ah non, mais dans l'autre, il a dit fucking loser parce que c'était le mec qui... Oui, le mec qui... mais j'ai testé mon truc, Yoann, écoute, c'est pas passé, c'est pas passé. Mais c'est toi qui a pété le truc. Bah oui, c'est pour ça que je suis pas mort. Mais de toute façon, en fait, j'ai tiré parce que j'ai vu... Putain, mais attends, le mec, il s'est passé un truc de ouf. Mais en fait, si j'ai tiré, c'est parce que j'ai vu, il venait de nous tirer dessus. Donc je me suis dit, attends, bah on va mourir dans tous les cas, mais... Non, mais moi, je t'explique ce qui s'est passé. T'as tiré, ça a explosé le cargo bob. Ah non, attends, je sais pourquoi, je sais pourquoi. Le cargo bob pour prendre une explosion. Ta gueule, ça m'a fait bugger. Du coup, j'ai pas bougé, mais je me suis quand même pris son explosion à lui. Du coup, je suis mort. En fait, le cargo bob peut prendre. Il y a un mec qui est ultra riche dans la session. Ah ouais. Canon orbital. Ah oui. Canon orbital, c'est 500 à 750 000 le tir. Vraiment, que c'est qu'à foutre. C'est pour ça qu'il dit OMG, saut un idiote. 420 000. Et sinon, je peux dire. Ah oui, du coup, pour reprendre le code illico, illico il peut résister à un tir de roquette de base. Sauf que. Pas de l'intérieur. Non, mais attends, le premier tir de roquette que je me suis pris, c'est venu de l'oppresseur. Non, mais c'est venu de l'oppresseur, sinon je serais mort. Je serais mort si ça venait pas de l'oppresseur. Ah, je suis désolé, on doit retrouver du fun du coup maintenant, mais. Fallait que je pas vu. Putain, il était juste là quoi. Ah, il y a un pompier. On peut peut-être rentrer dedans, attends. Je suis coincé. Ouais. Giga fun. C'est qui est là? Ah, ouais, on peut. Mais il nous en veut. Pour entendre la carcasse. Je suis caché. Ah, je vais tirer dans son C4. Non, sa main. Non. Si, je te jure, il a pété. Attends, mais mec, pas... en vrai, est-ce qu'on n'est pas ultra... Il y a un oppresseur, il y a un... Avenger. Ah oui. Non, mais Ron, Nat, je pense qu'on est, OP, là. Oh, oh non, notre salaire. J'ai pas eu le temps de lui mettre la balle. Qu'est-ce qu'il fait là? Je pensais avoir eu l'Avenger, mais non. Pourquoi il y a Monsieur Brian qui est là? Mon meilleur pote. Le cargo bob cramé. Monsieur Brian, je crois que c'est un modo, il change de couleur, non? Ah non, peut-être pas. Non, il non. Va chercher son pote. C'est vrai, faut lui mettre une balle, faut lui mettre une tête. Ah, monsieur Brian? Ouais. Je pourrais. Il est dans la cuisine. Je lui fais ou pas? Fais. Il est insensible aux balles. J'ai eu. Bah j'arrive pas à l'avoir moi. Oh putain, il y a une oppresseur. Allez, on a la guerre. En plus on... Wow. Je me prends des... Oh, j'ai eu. Il a... Ok. Je suis à terre, mais je suis pas mort. En fait... il a des balles explosives, hein. Faites attention. C'est de surmonter les balles explosives. Mais ça, c'est normal, on peut l'avoir. Ouais, non, oui. Ah, il y a non. Monsieur. C'est vrai qu'ils vont nous détester. C'est le but de la guerre. Lui, il a encore envie. Oh, il a un molotov. Oh, il y a un hydra. Ça n'a aucun sens. On vient de déclencher une seconde guerre mondiale. Là. C'est pas un hydra, c'est un molotov. Oui, 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 c'est un molotov. On vient de déclencher une seconde guerre mondiale là. Moi, je retourne dans mon cargo bob.
à l'abri. Ce cargo Bob, il a fait le Vietnam donc. Attends, c'est tout. Il y avait beaucoup de joueurs là d'un coup, ils sont tous partis. Le mode Doctor revient. Et la Vanjo aussi. En vrai. En vrai, j'arrive, Yon. Mais en vrai, si l'autre là, je sais pas, c'est qui nous a attaqué que j'ai tué en tirant dans son C4. Il nous aurait pas attaqué, on aurait rien fait. Ouais. Putain, ils nous envolent tous là. Il y a toute la session qui est sur notre cul, c'est moi. Mais le mec en molotov, c'est le mec que tout à l'heure en oppressor. Ah putain. Ah, tu vois aussi qui vient à l'abri. Ouais. Je peux vous dire, il y en a un qui arrive, je le défonce aux pompes. Non, non, moi, ici, moi je suis là. Je suis le pilote, bien sûr. On peut même semer la police, tiens. Ah, moi je les ai semés là-dedans. Ah, je les ai semés, ouais. Mais ils sont la guerre entre eux. Ah, mais non, mais lui il est pour personne. Ah non, mais là c'est la seconde guerre mondiale en fait. Attends. Il y a Sébastrick qui est en face, hein, je vous le dis. Ah, les deux sont là. Bon, je retourne dans le mot. Ah, bah super, il y a la police. Non, qui met. Je lui panique pas. Il va s'écraser son truc, non? Il y a Metal Montana qui est en face de nous. Il va sur nous. Non, mais le cargo bomb il nous protège. Je suis pas dedans, moi. Ah, il y a un APC, putain. Attends, mais en fait, on est que 8 dans cette session, mais on est tous. Toi dans une organisation choper des œufs. Ah ouais putain. Ça c'est un Sparrow par contre. Oui il est juste. Rentre dans le cargo mob. Tu peux pas. C'est bon. J'ai eu. Putain mais le cargo mob god tier. J'avoue. Le molotov par contre je vais le saucer. C'est bordé. Putain par contre on est des PGM de la seconde guerre mondiale là. Attends, moi je vais dans les gradins. Moi. Le molotov est mort ? Ah non. Non. Dans les gradins. Bah par contre il fume grave le molotov. En vrai, est-ce qu'on serait pas mieux dans les gradins ? Il peut nous avoir que d'un côté. Ah oui, c'est ce que j'étais dans les. Je me suis pris une balle. Il est foutu. Oui, il est. Non, ouais, mais tu te prends mes balles de mes flics. Ah, il est mort. Ah d'accord, c'est pour ça. Ah, oui, non, il s'est fait tuer par un autre. Il est 20 ans. Pas content. Il y a un type en face. Mais non, on perd du salaire, non. C'est pas rentable cette histoire. Il est en oppressor. Oui. Le mec le plus pragmatique, oui. Mais en plus, il l'a même pas en volante. Kill, ah c'est mon Yoyan là-bas. Oui c'est moi. Putain l'écran arrête pas de trembler. Impossible de viser. J'avoue que c'est horrible. Ah, c'est beau. Ah, mais il y a un tank avec un gros canon. Ah. Où ça? Là-bas. Mais je me suis fait prendre dans ce douiche. Ah tu l'as vu GPG. Attends mais il y a une bataille en fait d'organisation de 3 contre 3. Putain c'est la seconde guerre mondiale que je voulais. C'est mignon, il suffit juste de la demander. Un problème avec la seconde guerre mondiale. Oui. Je me fais saucer par les flics. Je vais mourir. Il est derrière là, il est à gauche, plus à gauche, ouais, il est là. Non. Dans l'épaule. Mais t'es un connard. Mais je peux rien. Je tire dessus depuis tout à l'heure. Ça dégoûte. Putain, je me dis que je suis raté tellement de fois. Oh, c'est là. Il est encore là le véhicule qui fait des grosses explosions. Hein. Je crois qu'ils sont arrivés à court de manpower.
Organisation fantôme. Ah, The Bee. Oh, les petits sexes. Ah, je me suis pris une balle explosive, j'ai plus de vie. Toi aussi, tu en as mangé une. Bah ouais, mais je vois pas de vous en fait. Oh putain, elle c'est drôle d'elle mort ici. Et vous allez pas mentir, c'est la partie la plus fun que vous ayez jamais vue. Oh, oh, il bougeait trop comme un vrai joueur lui. Le savage est gay. Il est dégueulasse. Quoi? Le savage gay. Où ça? Je l'ai eu. Qui m'a tué? Non, j'ai pas eu. Un flic. Un flic. Mais non, mais j'ai retrouvé au pire endroit. Oh putain, il m'a buté. Ah, il a pas eu. Oh non, les flics m'ont buté. On a d'argent. Moi j'aime l'argent. Pourquoi il y a des explosions? Ah oui, il y a des. Savage. Mais il est où votre savage? Je le vois pas. Sur moi. Ma gueule. Ah là. Ouais. Ça me fait plaisir les gars. T'es trop fort. Vite, je vais rentrer dans la boîte de nuit, comme ça j'ai plus les flics. Putain, ça marche. Y'a plus personne autour de nous. Y'a organisation fantôme. Mais non, mais putain, oui. Rentrer dans la boîte de nuit, ça compte. Les petits sexes, je sais pas si j'y arrive à faire ça. Déjà, y'a un sous-explosion derrière nous. C'est mauvais signe. Putain, on peut annuler les flics gratos avec les boîtes de nuit. À la vache, leur plus stratégique, tiens, ça coûte combien pour activer le genre fermer les yeux sur l'organisation? Ah, non, mon ami, non, mais j'ai couvert le PDG. Ah, c'est bien, t'as couvert l'argent. J'ai déjà mis une tête, l'autre, je l'ai vu, mais trop tard. Alors, et là, t'as plus les fous, c'est fou. Compétences de PDG. Ça coûte cher, hein, les trucs compétences de PDG. Ah, c'est 15 000 pour surveiller les autorités, j'ai pas assez. Moi, il faut une guéguerre là-bas. Bon, on va les rejoindre. Vous voulez que j'appelle un véhicule particulier pour les défoncer ou pas? Vous voulez que je prenne l'auto-chenille? Ils vont me défoncer de dos. Ah bah oui, de dos, ça oui. Donc il y en a un qui se fasse prendre en douche, puis il y en a deux qui servent à rien. Tant qu'Anjali peut-être. Allez, pourquoi pas. Ouais. Que je me suis saucé en prenant les trucs, les tourelles. Oui. Un canon, donc il y a un canon, une tourelle de lance-grenade. De lance-grenade. Mmh. Et t'as vu la résistance du truc la dernière fois, mon Yoyon? J'ai oublié. Je te rappelle pas, là on a fait 20 000 tirs, on a recruté 2 PGU. Ah oui, oui. Oh, le salaire. En face, il y a des méchants. Et il y a la police en plus. Faut juste qu'ils spawnent. Il y a un Avenger en face, il y a des gens en face, faites gaffe. Ouais, j'en ai buté en face. Je suis une poulet. Fucking Kido. Ah. Ça s'insulte en plus. Je crois que ça m'insulte, je crois que c'est lui que je viens de buter là. Non, mais non, c'est l'autre PDG. Tu sais que je l'avais pas vu au début le temps. Oh putain, oui, je l'avais pas vu. Oh, il est beau leur Avenger. Ah bah, il y a juste le monde à l'arrière. Ah non, c'est moi qui ai le droit de. C'est quoi ce mini-truc qui sort de là? C'est un tank d'invasion pacifique. Il est où l'Avenger? Je vois pas. Ah, j'ai le droit de lance grenade partout. Là-bas, tu le vois pas, Yoyan? Ah, oui, c'est là-bas. Oui, il est dégueulasse. Salut! Viens là, salut! Oh, je peux avoir dans le grenade! Il y a l'Avenger, hein, n'oubliez pas! Il nous a défoncé! Ouais. Mais l'Avenger, personne n'y a prêté attention! Ah bah si, moi je l'ai canardé, hein! Yes, c'est une VTS. C'est le spawn kill, on va dire. Soudain, la baise.
on peut l'avoir en sniper. Hein. Enfin, si... Parce que j'essaye, mais... Oh, il a arrêté de marcher. Ah la chute nulle. Par contre, il y a un autre hélico là. Ah oui, je vous croyais que c'était un truc de bot, mais non. Mais attends, il va s'écraser. Il s'est explosé tout seul. Il a failli s'écraser tout seul. En fait, je suis derrière mon pote. Y'a quoi? Oh non, j'ai spawn l'endroit pas feu. Putain, on les démons. Y'a quoi? Bah, moi, je me fais défoncer le fion, mais... Moi, par la police. Non. L'argent, le délicieux argent. Ah oui. Putain, ils sont tous les trois de l'autre côté, on est tous les trois là. Alors, c'est le garde tranchée. Pour appeler. Nat, la garde tranchée, tu connais ça, hein? Oh, le bon Boschka. Ça va être trop long. Tu vas te faire défoncer avant même d'arriver. Bah attends, il y a un, c'est un plusieurs places et il y a plusieurs tourelles. Non mais on n'aura pas le temps d'y aller. Attends, il est spawn où le bon Boschka? Ouh, j'ai eu un mec sans viser. C'est pas le bon Boschka ça. Si. Je vais mourir mais je m'en fous, j'ai fait une action trop bien. Bon, il faut m'amener au bon Boschka. Putain, j'ai envoyé des grenades au pif, j'ai buté un mec. Trop bien. En fait, ce serait tellement plus drôle s'il n'y avait pas les flics. Ouais. Bah ouais. Y'a un mec qui arrive là. Baise-lui le fion. Ouais mais aux pompes de d'aussi loin, je faisais rien. Ça c'est le GTA qu'on a connu à l'époque ça. Ouais le vrai. Surtout en plus que là on les domine bien. Il est 22h pile mon Nat, je te le dis. Non mais je vais pas m'arrêter en si bonne guerre. Il y a un hélico qui arrive. Vous voulez que je vous prenne ou pas pour aller machin. Perso bon Boschka, je suis pas pour. Hein. Bah attends, j'ai même le Sparrow, tiens. Ah ouais, le Sparrow, ouais. Putain, je suis con, j'ai le Sparrow alors que... Je lui ai mis une balle, mais ça va pas suffire à le tuer. Ah merde, je suis renversé. Putain mais je pourrais jamais l'atteindre. Il est là. Ah, je l'avais pas vu lui. J'étais trop content de ton suicide. Oh la patrie. Oh, la roquette est passée juste à côté de moi. Ils ont enchaîné là. Ils ont rien capté. Pour la mère patrie. Il a lâché son C4 mais il est mort avant. Trop bien, je mets des têtes depuis tout à l'heure, il en a pris zéro. Ah bah yes, je saute et je me fais démolir. Je crois qu'il m'avait pas vu, hein. J'étais en train de le défoncer. C'est plus sur lui. Ah, il m'a proposé un duel, c'est pas break. Ça doit être une erreur à force de spammer. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il a posé 20 000 mines. Verdict. Verdict. Bah elles étaient au-dessus, si c'est pas que je suis en dessous. Je l'ai tiré dans la mine qu'il avait dans la main. Ah victime Paulus. Il y a la police quand même. Faites attention à la personne meurt à lui là. Putain. Du coup j'ai pas le temps de Jali, moi j'ai pas d'idée. Hein. J'ai plus de vie putain. Quand tu veux la mine, quand tu veux. Je vais mourir avant la mine. Ah yes. T'as perdu tellement de salaire. Une duel qui ne répond jamais. Je vais mourir. Ah bah yes, il a été renvoyé au hangar, le bon... Le machin. Tu nous as abandonné pour ça. Je vais appeler le F... Ah, il faut que j'attende une minute. Salut. Il y a un Terror Bite, une Deluxo,
Et beaucoup de problèmes. Ah, c'est pas. C'est pas un Terror Knight. C'est pas une Deluxo, pardon. C'est une Ruiner 2000. Elle est dégueulasse. Ah bah, c'est la vie. Et le parachute là, incroyable. Oh, je vous jure. Et puis, la bagnole. Vas-y, roule. Putain, c'est une deux places, c'est quoi ce véhicule? T'as des missiles, des mitraillettes? Oui, t'as les deux. Et t'as un parachute quand t'appuies sur espace. Ah bah, je sais quoi, c'est trop bien le véhicule. Bah, il coûte super cher. Oh, elle a une sale gueule, je trouve. Oh la vache. Mais en vrai, le truc du parachute, ça me fout. Il y a le Terror Bite, mais je pense qu'il va pas être très OP dans le sens où il sert à rien. Je suis pourquoi, 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 genre, le mien il saccade sur la main. Oh, oh bah, bien, Nat. Bien. Ouais, t'as vu. Je suis un bon pilote. Merde, faut pas l'avoir là. Je crois qu'ils veulent aller dans la. Dans la montagne. C'est quoi son véhicule? Ça doit être le. Tu sais le truc similaire à l'insurgent là. C'est un truc d'arène ça, non? Juste à côté, le F1 Hunter. Le F1 Hunter juste là. Il spawn juste en face d'eux. Putain, c'est mon PC, il lagué pas du cul. Ouais, c'est terrible, ça lag. C'est quoi ce véhicule dégueulasse là-haut? C'est le Terror Bite. J'ai même pas eu le temps de monter dedans. Je sais pas ce que c'est le truc là-haut, je me suis posé la question. C'est dégueulasse en disant. Mais y'a un Terror Bite qui nous fait chier, hein, faut. Mais je lag tellement que je peux pas tirer. Il est mort le Terror Bite? Non. Non, il va m'écraser. Ah non, il se déplace. Ouf, il m'a raté. Puis des fois je confonds les mecs avec des. Oh, je l'ai eu. Mais il revient dans son véhicule de mort. Tu permets, je le vole. C'est cool. Mais... Ah, mais venez, je commande la tente par armée. Mec, on veut. Alors attendez, faut que je meure avant. Parce que sinon, là, ils vont confisquer ça direct. Ah, mais t'as volé le Terror Bite? Oui. Comment ça Matt Montana m'a tué? Oh non! Mais j'ai spawn au pire endroit pour commander le véhicule. Mais il me refait ce respawn là! Il m'a eu. Bah oui, mais là c'est pire endroit pour spawn. Ah mais en fait c'est pour ça qu'il y avait un point vert! Bah oui! En fait Nat, tu conduisais le mec qui était l'allié de Mr. Brian. Pourquoi? En gros, c'est comme si notre PDG nous avait trahi. Littéralement. Il y a un tank qui arrive. Ouh la vache, c'est quoi ça? Un tank, j'ai dit. Ah non, c'est le. C'est le. Ah, le truc d'invasion pacifique. Terror Bite. Non, le Terror Bite. Non, mais il y a un tank quand même. Il y a un tank là-bas, on se cuche. Oui, mais c'est Terror Bite qui tient le missile. Ça, ah oui, non, effectivement, il y en a un mec qui est plus loin, mais il y a personne dedans. Mais il y en a un qui va arriver vers nous. Mec, on se fait prendre dans ce douche. Hein. Putain, je vais défoncer. Quand tu vois là-bas, il y a un tank qui va arriver. Attends. Déjà, si je on pouvait échapper à la pluie, ça serait déjà bien. Johan, bah moi je l'ai plus parce que j'arrête pas de crever. Enfin, oui, c'est vrai, je l'ai plus non plus. Tu fais front. Tu veux pas me prendre, Justine? Aïe. Je suis en. Je peux pas. Attends, comment il m'a eu? Je le voyais même pas. Bah il t'a foncé dessus. Oh, bonjour. Bonjour, mais chiant. C'est monoplace. Ah mais en plus c'est chiant de se faire spawn kill en fait. J'aimerais bien ne pas me faire péter le fiac en fait. Je vais affronter le tank à main nue. Je pense que c'est bon bail. J'ai vu passer des mines sous le fion, il va pas comprendre. Mais là il s'en va. C'est une minigame ça là. C'est bon, on se voit. Trop bien le spawn kill, vraiment plaisir. J'ai eu. J'ai littéralement spawn derrière. Ah bah y'a le Terror Bite. Putain, j'ai cru qu'il était dans le. Y'a le mec dans le Terror Bite, il écrit. Marchez peut-être pas, j'ai mis un peu des mines. World War 2 Revival.
Ouais. Non mais il va pas à la roquette, il en faut 34 pour la péter. Pour le péter, pardon. Et il peut me mettre des balles à travers son véhicule, quel chien. Putain la vache, je me suis presque pris une roquette. Bah ouais, j'ai vu que t'es chaud. Putain la vache. Oh, j'ai encore eu chaud. Là, fuis. Putain la vache, mais cette fou guerre mondiale qu'on se fait là. Non non, mais faut leur laisser faire la guéguerre, les bleus et les verts. Oh putain. Oh putain. Oh Nat, je me suis fait baiser avec toi. Faut qu'on revienne plus fort. Ah bah attendez, je commande ma voiture là pour le coup. Bah je vais voir pour reprendre le moteur du coup moi. Au secours. On fait un magnifique repli tactique là. Ah mais t'inquiète, on va revenir. Et mais ils vont dire oh, on a gagné et tout. Pas du tout. Je vais jouer jusqu'à 22h30, voire 20, à la limite, si la guerre dure aussi longtemps. Et après, je vais arrêter là, malheureusement. Okay. Je peux déjà appeler le... Mais par contre, on fait un assaut. Oh, ils arrivent, hein. Mais je peux pas, je dois faire la déclaration, mais tu es le mort. Et pourquoi ils nous en veulent tous à nous? On a démarré la guerre. Mais c'est même pas nous qui avons commencé. Si, un peu. Ah bon? Je peux pas rentrer dans mon véhicule, ils vont arriver, ils vont me péter. Je veux pas appeler la mutuelle. Mais non, mais laisse-moi monter. La mutuelle ne marche pas. Il est à gauche. Ah mais je suis con, il y a le Sparrow qu'on peut prendre. Il y a deux Terror Bites. Mais je peux pas tirer en fait, je peux que... En fait je peux juste aider à... Mais elle est trop fragile cette voiture. En vrai cette voiture en passage... Mais je commande le mien de Terrorbyte. Mais je suis pas PDG, je peux pas. J'ai pas eu le temps de décoller. Je passe dans les ruelles pour pas me faire péter. Oh la survie. Mais oh, on est des rats. Grillage et tout, ça n'a aucun sens. On est des rats. Putain, mais où se trouve mon où se trouve mon avion? Me dites pas qu'il a pas spawn parce que je suis mort et du coup je vais pas m'attendre. Ah bah si si. Ah bah yes. Si tu meurs avant qu'il spawn, il spawn pas. Non mais elle est pas dans l'attaque de gang, vous êtes des Goltos. J'ai un camion de pompier, hein, ça peut être goldé. C'est une attaque de gang, au secours. Au secours. J'ai eu le mec dans le Terror Bite. Attaque de gang, bah yes. J'ai un Terror Bite. Oh non, on va dans les sous-sols. Mais j'ai un Terror Bite avec un mec dedans. Ah merde. J'avais un Terror Bite avec un mec dedans. Ah oui, les sous-sols, j'avoue que c'est goldé. D'abord, il faut que je tue le connard qui me fait chier là. Il y a un hélico là. Oui, celui-ci, il est sur ma gueule. Ah, j'ai des mercenaires au cul. Je l'ai eu. Perso, je suis bientôt au souterrain. C'est parce que les mecs ils disent ah ah, vous courez. Bah oui, vous nous laissez pas le temps en fait. Ah bon? Putain, je vois dans 3 minutes on va commander quelque chose. Ouais, mais là on peut pas y aller à poil. Je peux même pas appeler la mutuelle pour dire. J'appelle une voiture parce qu'on peut pas aller à poil dans les égouts. Et moi j'y vais à poil. J'ai volé ma voiture de flic. Tu vois, le mec dans son club de moto, personne ne le fait chier. Bah non. Il est bien. Arrêtez-vous. C'est toi. Putain, je crois que c'était vraiment un flic. Je sais pas pourquoi il faut me dessus, connard. Arrêtez-vous. On est arrêté là. Il y a le Terror Bite qui arrive, hein. Mais Oh oui. Oh oui, la voiture sous-marine. Roule. Il va avoir du mal parce qu'il est trop gros. Ouais. Tu vois les rats. David contre Goliath, mon pote. More
Ça y est, le F-Hunter, c'est bon, il a pu être racheté. Par contre, on doit toujours attendre 2 minutes. Oh! Ah, j'ai dû payer les charges, ça m'a coûté 6300. Ah oui, toi, du coup, t'es dans la sauce! Mais il se passe quoi si j'ai plus de moula pour payer les charges? Là, déjà, tu dois payer plus que 6000 normalement, mais. Hein? Quoi? Tu veux pas nat que quelqu'un d'autre se mette PDG pour que t'aies de la thune? Bah, en vrai, ouais, ça serait bien. Je commande mon terrorbyte en même temps. Parce... Mais le problème, toi, quand t'es PDG, à chaque fois, tu quittes. C'est vrai. Bah, c'est toi alors, du coup, il n'y a pas d'autre choix. C'est ça, en fait, c'est juste ça le problème. C'est que... Mais ta gueule, Tony! Toi, il est le même, il vient de me rappeler. Jage. Avant tu devais payer les charges que quand t'étais PDG, donc t'avais juste à te démettre PDG, normalement c'était bon. Putain, la lumière, j'ai cru que c'était un phare. Un phare breton. Oulala, là là. Mais j'ai l'impression que c'était contrôlé ce que t'as fait alors que j'étais alors si alors pour le coup ça l'était. Si, si, c'est ça. Sûr. Je bah croyez ce que je voulais. Pan. Ça l'est pas. Vous êtes sortis de cet enfer les enfants. Ah, ils nous suivent quand même. Ils sont pas loin. Oui. On va les péter. Attends, c'est quoi ce fort sur la map? Non mais mec, on va mourir. Faut aller dans l'endroit et survivre. Changement de proprio. J'ai des mitiles et elle est résistante cette voiture. C'est quoi ça, changement de proprio? Un terror bite. Ouais, je dis con. Là, si on reste là-dessous, il est déjà les cock-block. Ah, mais non, parce qu'il arrive. Je me fais livrer le F-Hunter ou le Bombushka? C'est gratos, ça. Un autre petit au cul, là. Vous avez une préférence pour le Bombushka ou pas? Bah, bon, les couilles. Vous allez monter dedans ou pas? Non. Allez, j'ai mis une petite saucée. Bon, bah, je vais commander le F-Hunter. Mon secours, y'a rien qui va. Quoi? Ouais, de l'autre côté. Nous en fait. L'autre côté du tank peut-être. Hein. Ok, le F-Hunter est juste là. J'en ai quand même pris un dans le fion. Non mais attends, mais c'est ouf. Les deux mecs, c'est deux gangs rivaux. Mais non, c'est nous qui veulent. Faut faire demi-tour à un moment. Non, y'a un tank qui a un terror en fait, je fais pas demi-tour. Parce que Nat il a vraiment le Si, attends, je vais les moldaver. Mais ils sont trop loin là. On peut pas les moldaver. Passe dans l'eau. Bah déjà oui, on peut aller dans l'eau. Surtout je pensais passer à droite là. Putain, ça merde. Il me fait chier le civil. Je peux pas, mais je peux même pas tirer pour le buter. Mais y'a rien. Coke bloc. Déjà le terror bite il est HS. Le tank il est encore sur l'autoroute. Va pas à gauche. Putain. Ah, la guerre de fou. Non mais surtout en fait ils nous en veulent à nous. Ouais, ils ont le pas aimé qu'on commence la seconde guerre mondiale. Attends. J'aimerais bien lui mettre un tir. Ok, le tank arrive. Non, il est sur l'autoroute. Là tu vois, déjà je le frustre le gars. Il s'est chié. Alors pour moi c'est pris un arme mais ça va. Pas pour moi. Je pense que les deux vaisseaux sont dans la même véhicule. Ah, pas à droite. Oh ouais, t'inquiète, j'ai capté le truc. boost, par pitié boost. Putain, c'était pas loin. En vrai, est-ce que ce splitterait pas? Bah moi, il faudrait que j'aille à mon hélico. Bah mets-moi un marqueur dessus. Bah j'ai mis le marqueur dessus depuis un bout de temps. Ok. Il y a un Sparrow hein, maintenant. Mais ils ont quitté le Terror Bite. Ils sont en Deluxo ou je pense Ardent. Juste en face au Sparrow. Ouais, mais il sait pas le... Alors j'ai regardé des vidéos et le lock du Sparrow est vraiment tout pourri. Ah ouais? Ouais. Quoi? Bah derrière. Comment ça derrière? Oh putain. Oui c'était chaud ça. L'explosion boost. C'était chaud ça. Oh mais c'est pas du jeu. J'ai un problème là.
Oui, c'est un gros problème. Si. Ouais, bah voilà, mais à un moment... Attends, mais on en parle du gros focus qu'ils nous font dessus. Quel enfer. Attends, est-ce que je peux appeler peut-être... Le Sparrow. Il est où? Putain, il est sur la route. Sur la route. Et est-ce qu'en vrai, est-ce qu'on se mettrait pas dans l'endroit où on avait trollé Nat l'autre jour? C'était où? Tu sais, les immeubles. Ah oui, dans les images en construction. Ah oui! J'appelle ma Deluxo. Deluxo, ouais. Bah, c'est le seul truc que je vois qui vole. Ah, vas-y, qui... vas-y. Bah, t'as Sparrow. C'est toi qui en Sparrow? Putain, il peut pas venir. Putain, il est dans la merde. Faudrait que tu sauces le mec qui arrive là. Je vais chercher le F1 de toi. Si je meurs avant que la voiture arrive, je suis baisé. Dès que la voiture est là, on se barre. J'ai buté le mec en bas. Il m'a dit gros, c'était classe. Spawn bien. Oui. Là. Il va pas nous mettre de tétasse, tu penses? Ah, t'es chiant. Ah, t'es chiant, ouais, t'es mignon. Mais... Il est où, Siméon? Sur la map. Bah, va pas à son marqueur, hein, ça doit être à peu près par là. De toute façon, tu le vois, l'immeuble. Oui, là-bas. On est bien. Mais oh, non mais mec, ils sont en forme, regarde. plus bas. Bah tu vois, au niveau des palissades en bois. Oh, je vais les déglinguer. Bah tu, à côté de la cage ou de l'autre côté du bâtiment. Vas-y, déglingue-les. You are running? Non, ça va. Et surtout les dans la PC, fait chier. Ils vont bien déglinguer. Bien. Oh! T'as failli me baiser 1000%! Arrête! J'essaye de ranger la voiture! Arrête de me pousser! Oh oh oh! Attends! Et on va pouvoir y aller. Putain, c'est des aimbots! C'est des putains de aimbots! Oh! Mais ils sont 4! Ils sont 4 oui, contre quatre. Nous! Oui, ils sont dans les véhicules! Hein. Il y en a un dans le véhicule! Ils sont 4 contre nous! Ça n'a aucun sens. Ils ont pas aimé qu'on les ouvre autant au début, je crois. Je peux pas les avoir. Pour moi, on les a même pas fait chier. Ouais, toi. Même pas tant que ça en plus. Hein. Genre c'était quand même assez serré. Là ils ont le seum parce qu'ils peuvent rien faire. Avec leur véhicule de mort. Non, je suis tombé. Le mec vient te chercher. Mais t'as mis la voiture où? Juste à côté. Ah, je peux même pas t'aider en plus. Ah oui, tu l'as mis. Tu veux que j'aille te chercher? Non mais mec, c'est risqué. Bah pas du tout, non. Viens, je suis dans la merde. Je te mets pas en dessous, hein. Vite. Mais non mais arrête de me cramer. Il y en a qui les occupent, regarde, ils sont partis chercher Nat tranquille. T'as heureusement qu'il vise mal à la PC. C'est vraiment une belle salope quand même. Ouais. Quand ça, je suis une belle salope. C'est mon jeu qui a lagué. J'ai arrêté d'appuyer sur Z, mais le jeu il a continué. Du coup, je suis allé dans le vide. Attends, bouge. Je vais la mettre prête à repartir direct. Non, j'ai plus d'essence. Oui, j'ai eu. J'allais dire crache-toi vers nous, mais. Voilà, ils m'ont pas eu. Mais je les ai bien déglingués. Attends, là par contre, tu viens de faire gaffe au sniper, c'est là où ils peuvent le plus le baiser. Oh oh. Welcome to City Loire. Oh non, faut que je te vienne te chercher toi aussi. Oui. Oh bonjour toi. Oh putain. Ils sont juste à côté, je l'ai pris une tête. En vrai, on est bien là. Pas moi. Putain, c'est Dino, ça va.
Et il a commandé ça de luxo aussi. Johan, cache-toi. Cache-toi et prépare-toi à péter. Là, il a mis hors de ce proton. C'est bon, je suis prêt. Attends, un truc plus direct par contre. Merci. Organisation fantôme, mais le con là de luxo, normalement il peut pas la cacher. Ah, ah, oh, je l'ai vu. Tu vois là. Il peut rentrer que par deux points. Le reste, on est protégé. Colle pas trop les murs et t'es bon. Nat, faudrait que tu commandes ton Sparrow ou je sais pas quoi, hein, que t'arrives à... Véhicule. Est-ce que je peux recommander le Hunter? Ils arrivent pas à m'avoir, ils ont le seum. Ils sont à deux dans la voiture, il y en a un qui balance des grenades. Allez, sauce. Je vais la gâter, je vais pas la foutre. Ah, je vois ça, t'en as plus rien à foutre. Je sais pas si les balles traversent, hein, par contre, ce truc. Non, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pas l'air d'avoir vu ma voiture. Ah. Je pense que c'est... L'Avenger. Ils vont arriver, mec. Oh, je suis Jalok. Ouais, voilà. Mais comment ils... Putain, ils ont mis 30 000 explosifs dessus. Ouais. Putain, je commence. Suis attends, maintenant, j'ai pas très bien caché, mais je voulais pas qu'elle nous pète dessus. J'ai poursuivi pas quoi, là, en fait. Oh là là! Ils ont fait quoi? Je les ai pétés. Ah. Je croyais qu'ils avaient tenté une attaque suicide! Genre ils ont collé du C4 sur la voiture! Ils ont tenté, mais j'ai mis plein de... Genre ils ont collé du C4 sur la voiture et ils nous foncent dessus! Y'a un Avenger qui arrive! D'ailleurs, je sais pas trop ce qui m'a buté, mais y'a un truc qui m'a buté, ça, j'en suis sûr! Oh bah y'a un Avenger, gros, on est dans la... Non, l'Avenger, en vrai, ça va! Ah non, mais il peut se stabiliser! Ouais, cache-toi! Non, on est dans la merde, l'Avenger! Non, mais je vais venir au sommet avec le F-Hunter là! Ouais, sur celle miraculeux que t'as fait juste avant là. Ah, bah, j'ai coupé la police. Il a bien marché, le F-Hunter. Ouais, les flics, ils peuvent rien faire. Les flics caillent dans nos rues. Il est parti chercher son pote. Il y a mon carrefour en bas. Y'a quoi? Une carte en bas. Du coup, je pourrais me barrer en carte. Trop bien. Ah, quelle fuite incroyable! Je pense que t'auras pas le temps de fuir. Je veux pas te... Mais mec, et on a vu que le kart il résistait à des explosions d'autre sens. Après, ils sont mis en fantôme, donc ça se trouve, ils vont arriver en sneaky derrière. Non, ils sont pas en fantôme. Tu vois l'Avenger ou pas? Moi, je le vois pas. Oui. Moi, je vois l'Avenger. Je le vois pas personnellement, mais. Ouais, c'est vrai que. Après réflexion, je crois que je vois quelques trucs. Oh là là, yo-yo, fais gaffe. Fais gaffe, recule. Okay. Il est juste au-dessus, mec. Okay. Ah, je peux pas lock l'Avenger. Je peux pas lock l'Avenger, ça dégoûte. Ah non, il est trop gros. Quoi? Il a détruit mon hélico? Comment ça se fait qu'il a détruit mon hélico? Ah oui, je te vois tomber. Putain, mais il a mis tellement de temps avant de sortir et sortir le parachute. Mais je comprends pas comment il a détruit l'hélico. On est tellement baisés. Je sais pas comment il a fait pour détruire l'hélico. Il y a une Deluxo, je sais pas où elle est. L'Avenger, je sais pas ce qu'il fait, il bouge pas. Il se pète au-dessus de nous. Ça me met en panique de fou. Sure. Il y a l'Avenger qui arrive. Je le vois pas, l'Avenger. Aïe. Il est sur la droite. Là. Mais il essaie de t'avoir par les trous là. Je le vois pas. Mais même en regardant par les trous où il veut m'avoir, je le vois pas. Mais il y avait une Deluxe au-dessus de nous, elle est passée où? Et ouais, elle bouge. Elle s'est cassée. Ils sont mis en fantôme, je pense. Non, ils sont encore là. Enfin, je les vois sur la mini-map. Ils ont pas l'air de connaître les points d'accès. Ni même d'être trop sûr de la hauteur du machin. Par contre, la Deluxo qui nous protège, elle a du cadavre. Oh là là! Ah, c'était toi? Nat, c'est... Ah oui, c'était toi. Ah, je suis juste en dessous de moi. Mais oui, l'Avenger, je ne le vois pas. Je pense c'est bon, là, je peux le lock. Lock-moi cette merde. Je l'ai eu. Ah, bien mon bezo. Putain, par contre... Il est trop combat, là. Ah ouais, non, mais moi, je suis fou depuis tout à l'heure avec ma machine gun. Là, il doit avoir le chum, ils arrivent pas à nous avoir. Putain, le gars en Deluxo, il est chiant. Essaye de nous rejoindre, au pire, je sais pas. Ah bah, je suis dans le bâtiment, je crois. Ah non, je suis sur le bâtiment. J'ai vu la carcasse de Nat descendre. Je suis sur le bâtiment. Ouais, on la voit souvent.
vrai ils doivent être... Depuis mon nom ils ont rien dit. Ah, Nat qui est pas vraiment au même endroit que nous, mais qu'elle a quand même. Ouais. Il est là en dessous, il est là. Fais gaffe par contre la Deluxo, je crois qu'elle prépare un sale coup. Ouais. Je pense qu'ils attendent, ils espèrent nous avoir au snipe je pense. Et je pense qu'il y en a un, il est sur le toit en face en fait. Putain, je peux carrément vous refondre à l'échelle. Il y a Sebastrik, Millet, ils sont 4. 4 contre 3, bon, ça peut aller. 130, 88, 200. Oh putain, mais. Il y a un accès en échelle ou pas? Bah, pas du tout, hein. Là, c'est. Faut que tu voles. Ah ouais? Bah, oui. Alors, où est-ce que c'est même cette échelle? Mais tu montes la grue, débilos! Mais c'est pas la grue, ça. Je crois qu'ils sont en face. Si, c'est la grue. Il y a une grue dans le truc. Bah, oui. En face, en fait. En vrai, oh, il est invisible. Oh merde. En fait, ça se trouve, ils m'ont vu, ils sont en train de les chercher. J'espère pas. Oh là, le salaire. Mec, t'inquiète, j'ai activé mon ultra insta. Alors, attends, moi je mets le salaire. Hein, tu. Attends, je coupe la musique parce que c'est sérieux. Ah, et puis là, faut entendre les bruits de pas. Je mets le salaire. Active pas de lumière ou de torche si t'en as. Je suis un machine gun. Il y en a plein qui sont mis en invisible. Attends. Je place une mine de l'autre côté, mon Yoyan. Et je vais en placer une autre par là. J'entends des tirs, non? C'est Nat. Ah, je te vois, Nat, à ta gauche. Ma gauche. Salut. Où? Oh, bonjour. Je crois que je peux passer au-dessus, là, il y a un trou. Non, non, mais tu veux pas venir là, moi. Ah. C'est quoi qui a pété? C'est la de l'usso. Il y en a un mec qui s'est posé. Il y en a un mec qui s'est posé. Où ça? J'ai mis des mines hein. Là-bas, tu vois, j'en ai mis si, une et peux, là aussi. Je crois que je peux. Je crois que je peux. Non, non, pas l'échelle, pas l'échelle, pas l'échelle. Je vais mettre une autre là-bas, Yoyan. Hein. Faut plus que t'ailles au bord. Ok, okay. Je meurs pas, hein, c'est pas grave. Ok, j'ai pu vous rejoindre par la grue. S'ils si essayent de nous rejoindre, en fait. Vous êtes rejoint par la grue. Tu peux pas rentrer. Mais si, je suis rentré par la gauche. Faut que tu fasses le tour, mais de l'autre côté, Nat. T'es... Ouais, de l'autre non, de l'autre côté, par là. De ce côté-là. Par là. Par là. Mais il y a une mine. Non, ils sont là. Par là. Ils font quoi, Yoyan? Ils s'utilisent, ils explosent. Dis-moi ce qui se passe. Ah, salut. T'as pas fait péter, même. Backup, si, c'est péter. Bon. J'ai mis la presse. Je les vois, là. J'ai mis la presse. Il a mis la presse. Alors attends, par contre, ils ont fait péter ma mine, c'est cool. J'aime pas trop ce pain de C4, moi, il me fait peur. Bah, c'est mieux qu'une mine déjà. C'est vrai. Ah, la survie à tout prix, quoi. Bah, c'est le meilleur spot pour la survie, quoi. Bah, oui, c'est parce que. Franchement, en vrai, j'ai l'impression qu'ils font pas d'efforts. Ouais. Et nous. En fait, c'est la Deluxo qui fait peur, surtout. Ah, il y a un autre effet Hunter qui arrive. Ou un hélico de combat. Mais même en mettant la visée thermique, hein, souvent je les vois pas. Oh putain! Ils sont pas loin. Je pense qu'ils vont essayer les de les sauter. Sauce, sauce. Et le Hunter qui. Il y en a un qui est droit. Il y en a un qui est droit. Il est mort. Bien mon bézo, bien. Oh là là, il arrive. Il se tente des parachutages. Bien sûr, vous faites rien les potes. Alors, fais gaffe, j'ai mis des mines, Nat. Hein. Oui, mais il y a pas de TK. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, il a remonté son hélico. Salut. Ah, il m'a eu. Non, là, c'est... Non, bah non, c'est bon, je peux grimper par la grue. Talpe, ouais, tout à fait. T'as fait ce que je pensais en voyant Nat mourir, t'as le tout. Diglett, ça c'est Topiqueur. Oui, c'est vrai. Y'a un mec à droite là. Y'a un mec en dessous là, je me combats avec lui là. Tu vois qu'il a accès à la grue. C'est bon, j'ai eu. Dis Duck Trio. Là-bas. Là-bas, Yoyan, y'a un hélico. Ah oui. Mais là, ça sera une longue montée. Il est trop loin. Bah... Le problème c'est qu'avec les explosions je peux pas viser au snipe.
Je vais me cacher. T'es mort. Non mais c'est bordel. Le bruit d'explosion à la seconde, ça me rend zingue. Zingue. C'est tendu. Un peu ouais. Ah oui, je pensais quitter pour 22h32, pour 22h30, mais non, je peux pas quitter sur si bon. Ils ont perdu leurs hélices, je crois, non? Bah, j'ai l'impression qu'ils sont dans la sauce. Non, ouais. Pas du tout. Bah, c'est toujours la guerre de. J'ai un mec, Je me prends des balles de dehors. Là. Tu veux prendre l'échelle juste à côté du gars? Oui, j'ai eu. Merci, yo-yo. Oh là 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 là, là. Yoyan, je t'aime. Ah mais la machine gun. Par contre j'ai plus beaucoup de mines de machine gun. Enfin il me reste 6 000 encore, ça va. En vrai je devrais l'acheter. Et du coup il a dit 10 000 de Duck Trio, c'est ça? Est-ce que tu penses que tu peux sauvegarder la position quelques secondes le temps que j'aille pisser? Ah oui, vas-y. Je me mets dans un endroit assez safe. Et je garde le casque sur la tête s'il y a besoin de backup. Je vais courir le zéki galère. Mais attends, j'ai coupé le micro quand même. C'est ton hélico qui est là? Non, c'est pas mon hélico, détruis-le pas. Comme ça ils pourront pas l'appeler. Mais si, ils ont juste à le renvoyer, le faire venir. Tu vas trop près là, attends. Ouais mais je veux quand même aller me voir quoi. Mais c'est pas le tien là-bas? Non, c'est pas le mien, c'est pas mon hélico. Comme ça, ça les fait chier, ils pourront pas l'appeler. Enfin, il prend pas la pluie aussitôt, quoi. Et tu sais qu'ils ont juste à renvoyer le véhicule. Ouais, mais il y a quand même une latence. De genre 1 minute 30, hein, donc la latence. Ouais, mais c'est déjà ça, quoi. Devant nous. Intense. Eh, en vrai, ce bastion, je suis trop content de l'avoir découvert. Ouais. Ah bah là, ça sert. Je suis plus de retour, les potes. Alors, c'est quoi la situation? Il y a des mecs, il y a une Deluxo. Je garde la vision thermique au cas où. Ça recule à deux. Peut-être qu'ils font backup. Ils ont l'air d'abandonner. Est-ce que tu penses à Grenade? Déjà, j'ai l'impression qu'ils sont moins qu'au début. Non, non, ils sont au jour 4. Il y a un mec qui arrive. Enfin, il y a un mec qui est loin, mais je pense qu'il va. Ouais, il y en a toujours 4. Oh, il y en a en moto. Il y a une oppressor. Il y a une oppressor? Oui. Ouais. Ça sent le sexe par contre. Ouais, l'oppressor, ça va nous baiser. Ici, mes fantômes. Je crois. Non, là voilà. Il est bientôt arrivé, je crois. Il y a nos sous-en des côtés. Chacun a son point d'entrée. Oh putain! Bah, je tourne la tête de bon, je reviens, il y a une deluxe qui me pose dessus. GG, ça a bien marché. Hein. Oh merde, John, comment tu vas remonter? Y'en a un pas mort. Y'a l'oppressor. Où ça? Non, dans le bâtiment. Non. Si. J'ai. Je t'ai pété. Putain, il s'est pété mais il m'a pété. Faut monter à l'échelle à la grue. Au centre. Yoyan, tu veux monter en Deluxo? Non. Attends, qui me tire dessus? Putain. Mais c'est qui? Il a des mythes, quel chien. Y'a un mec qui campe l'échelle. On va pouvoir balancer une grenade tout en bas. Waouh. C'est vrai qu'ils sont invisibles. Je peux rien faire. Putain, je venais d'appeler le mécano. Putain, mais j'avais vu qu'après que c'était un joueur. Bah moi aussi, vu qu'ils sont en invisible, j'ai pas fait gaffe. Ah mais là, quand on tombe, ça y est, c'est la chute de l'ange, quoi. Bah y'a un mec qui m'a pété, j'ai pas eu le temps de voir. Pêche, pêche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a un shoot de mort lui par contre, hein. C'est Babrek. Il m'a vu avant que je le vois et avec un minigun il m'a raté. Mec, je suis dans une voiture au cac, hein. Je suis en train de gagner. Non, je me suis suicidé devant lui. Yes. En montant l'échelle, tu dis que c'est bon toi, Nat? Ouais, et en montant l'échelle de la côte, tu as juste à faire un saut et hop, c'est bon. C'est comme ça que je grimpais deux fois. Bah, déjà, faudrait qu'on arrive à atteindre l'échelle. Ouais, parce que, bah le mec au minigun il est pas ouf. Mais en fait le temps que je les bute j'ai les flics et ils me défoncent.
Oh, c'est même pas les flics qui... Ils sont déposés. Il a séduit la position forte. Ah! Le problème c'est qu'ils sont invisibles, donc on doit vraiment... Je me fais défoncer, mais ils sont invisibles, c'est des lâches en vrai. Mec, on peut pas trop parler de lâches qu'on vient de faire ce qu'on vient de faire. Bah non, on s'est mis à l'abri. Là ils sont lâches, ils montrent même pas où ils sont. Quoi, je lui ai mis une grosse tête. J'essaie de vous couvrir. Je lui ai mis une tête, c'est moi qui me fais one shot. J'ai envie de crever. Ouais, le spawn kill par contre, y'a pas plus chiant. Je me suis fait deux mecs à moi tout seul et j'ai encore ma barre de vie en vert. Mais mec, je spawn que à côté du mec qui me bute. J'ai même pas le temps de sortir mon arme, il me bute. J'en ai buté 4, sinon je peux... On peut me sucer ou... Bah en fait moi j'aimerais bien juste ne pas me faire spawn kill. Ça peut être sympa. Ce serait un bon début MDR. Putain, mais il écoute My Light. Putain, mais en même temps, mais j'avais plus de vie. Oh, je l'ai eu. Julien, tu veux que je commande la Deluxo? Tente l'échelle, je tente l'échelle. Ah bah, je commande l'oppressor alors. Vas-y, vas-y. Et je l'ai eu. Oh, merci, Matt. Merci. Merci. Matt, ange gardien. Ah. Oh non. Putain, je me suis pris une mission explosive, je suis encore en vie. Ça one shot pas. Boss. Mon oppressor va spawn à côté d'eux. Je monte, je monte. Ah ouais, mais mon oppressor va spawn à côté d'eux. Faut pas qu'il la voit, faut pas qu'il la voit, faut pas qu'il la voit. Oh non, j'ai spawn au pire endroit. Putain, y'a un tic qui va au sniper de merde là. Après, ça serait couillu d'utiliser mon oppressor parce qu'à tout moment je peux les dégager du truc. Putain, il a fait peur au civil et du coup ça m'a boosté un civil dans les fesses. C'est quand t'atteins quasiment le haut de la grue Oh, bah de toute façon tu verras l'endroit où il y a plus de grillage à côté. L'endroit où il y a plus de grillage à côté. Ouais, ah, genre quand tu auras plus de grillage tu verras, c'est à peu près au milieu. Putain, mais il y a 100% un type pour sniper en quelque part, mais je sais pas où. Ah oui, d'accord, ok, je... Putain, mais il spawn à côté de mon oppressor, je peux pas la choper. Je suis avec toi. Là. Il y a un sniper quelque part en face là. Oui, j'ai entendu des balles de snipe. Vous pouvez les couvrir s'il vous plaît, les deux ils spawnent à côté de mon oppressor, je peux rien faire. Ouais, mais c'est difficile, il y a un... Ouais, les deux mecs en bleu, par pitié. Je vais voir ce que je peux faire moi. Et il y a un type avec des mines explosives qui se bat sur les toits. J'ai eu. Oh, mais là j'ai la police. Ils vont me saucer de fou. Bah ils vont me tuer, bah oui ils vont me tuer, évidemment qu'ils vont me tuer. Putain, je peux rien faire. Vous pouvez pas m'aider. Par pitié. Le problème c'est que je me défends mais j'ai la police. Bah là, sinon saucez-les jusqu'à ce que j'arrive à la moto. Saucez-les. De la police. On peut les avoir de là. Sniper, je sais pas, tu les sauces. Il est où mes costumes? Attends, peut-être que... Dès que je suis à la moto, je suis bon. Non, pas la voiture, la moto, je t'ai dit, tu con. C'est bon. Oui. La contre-offensive va sonner. J'ai l'impression qu'il fuit. Bah, si besoin, je pourrais aller attaquer en oppressor. Il y a un mec au sniper, j'ai vu la balle, il est par là.
Enfin, il est vers le truc Arcadium. Il y a Deluxo. Putain, mais en fait, on est mis sur quel Mikaz? Bah oui, ils doivent la blinder de. Bah oui. En un sens, c'est logique. Putain, bah du coup. Ah, c'est à moi de vous couvrir. Tout seul. Ah, tu peux le faire, BG. Je monte. C'est pas vraiment le problème de. Je peux le faire ou non. C'est que. Oui, mais c'est trop con. Grande chance que je décède moi aussi. Je monte aussi, allez. Il est quelle heure en vrai? Parce que moi, faut pas que je me. 22h43. Ça va. On t'a battu. C'est une garde en sous mon patron, je vous le dis, je me reprends une fois et après je vais m'arrêter là. Bah, oh, j'ai envie de leur caler une petite phrase en français, j'attends qu'ils reparlent. J'ai envie de caler à un, c'est marrant. Oh, Montana, Matt Montana. Je crois qu'il y a un type qui nous suit. Je crois aussi. Ouais, il est en bas de la rue. Il monte. Il monte. Attends, mais c'est bon. Non, mais c'est tranquille. Oui, on peut l'avoir normalement. Tu peux l'avoir. Ah non, dans l'antiportée. Ah, dans l'antiportée. J'arrête pas de buter le même mec depuis tout à l'heure, il doit avoir le seum. Normalement, je les ai quand même pas trop mal occupés. Ah, mais attends, je sais, je vais poser une mine. Ah bah oui. Ah non, mais c'est t'as raison. Non, j'ai pas de mine. Bah, pose en fait. Je suis là. Ah yes. Je vais poser une bombe culante. T'es où? Culante. Je suis caché. Je répondais à un message donc je me suis couvert. Intense hein. Putain de merde, je l'écoute. Attends, en fait Yohan, j'ai un spot ultime pour snipe. Oui. Vraiment le truc qu'on voulait quoi. Ah tu vois c'est ici là. Très dur à voir, toi tu peux les voir. Ils sont tous les deux en Deluxo, faites attention. Mission kamikaze, préparez-vous. Rentre un peu. Oh non, oui, j'ai eu. T'inquiète. T'as eu la Deluxo? Non, j'ai eu le gars qui grimpait dans la rue. Oh bien. Vite mon bézo, vite, ils sont là. GG. Mais j'ai rien fait, c'est même pas compté comme moi. Ah, putain, non, ils se sont suicidés. Ils se sont explosés dans un truc. Mais tu sais, ils font des missions kamikaze. On pourra pas leur dire que c'est efficace en un sens. Il y a un buzzard d'attaque à côté de nous. Posé, ouais, je sais. Oui, ça va. Alors attendez. Hop, je mets une petite bombe collante ici. On sait jaja. Quelle guerre civile. Mais en vrai, mettez des bombes collantes sur l'entrée de. De la grue. C'est ce que j'ai fait là-bas, là où tu vas, Yohan, j'en ai mis une. C'est surtout ici en fait, parce que derrière ils savent pas qu'on peut rentrer et devant on les voit. Au niveau de la grue, je crois qu'ils savent qu'on peut rentrer maintenant. Ouais, ça par contre, la grue, j'ai l'impression qu'ils ont compris. Mais si on regarde bien, on peut les saucer avant qu'ils montent. Ah, il y a une. T'as vu, il y a un hélico. Il y a un Sparrow. Ah, mais il y a un hélico aussi sur notre. Ouais, mais il y a un Sparrow qui va arriver. C'est quoi qui pète là? L'hélico. Pourquoi ça pète? Ah, oui, d'accord, c'est le Sparrow que notre disait. Ah, ok. Ils sont deux dans le Sparrow. Jachou. Au revoir Jachou. Bah du coup il y a que nous qui faisons la guerre. Il y a plus personne après. C'est vrai. Ouais. Faites attention au Sparrow quand même les potes. Non, j'ai mais l'impression qu'il veut monter à la grue lui. Ah oui je vois comment. Okay. Non, il est sur le bâtiment en face pour mieux nous sniper. Où ça? Il est au niveau du FIB. Sur le FIB. C'est eux qui nous lancent les balles explosives. Ouais. Sur le toit du FIB. Ok, alors attends. Il est sorti sa tête. Tu viens de la mine? Non, j'ai échoué. C'est où le FIB? Putain, t'as volé mon kill. Ok. Attends. Bah, le truc, du coup, c'est de trouver un endroit opti pour les. Ah, bien, il vient de mine. Pas mal en vrai. Je peux quand même te mettre quelques balles. Mine de Luxo. Ok, rentre Nat, rentre. De Luxo, c'est danger. C'est danger tout de suite. Il a pas l'air d'être. Là, il est en train de monter, je pense. Je reste attentif à mon pain de C4. Mais en plus, je suis bien content de mon titre de live. C'est assez précis.
C'est vrai que là. C'est posé, je crois, non? Possible, mais s'il est au-dessus, il peut pas nous atteindre. Si, s'il est sur le toit, je veux dire. Et il est probablement pas. Pas de nouvelles du FIB. Si, le gars du FIB, il sort. Il est sorti. Il change de position. Il prend des 30 potes. Il y a le Sparrow qui arrive. Non, il change de position. Alors là, par contre, regardez derrière, hein, parce que je pense qu'il monte pas, mais il peut pas monter en fait. Il y a juste un tout petit point d'entrée qui est vraiment minuscule. Tu peux rentrer dedans en Deluxo quand même. Qu'est-ce qu'il branle là-bas derrière? Attends, mais en fait ils peuvent pas monter à pied, faut qu'ils soient en véhicule. Si on voit un véhicule qui va derrière, faut quand même se poser des questions. Tu les vois? Ils sont juste en bas. Là. Tu vois, on les voit là-bas. Oui. Tu veux pas, c'est les balles passent pas à travers. Dommage. Eh, c'est intense. Mmh. Voilà, il s'est un peu faibli, on va pas. Ça me merde. Ils sont un peu ramollis du cul, je crois. On croit qu'on a plus leurs ressources. J'ai envie de tenter une dinguerie. Oh, il fait tir de barrage. Ouais, le gars en fait hunter, ouais. Il y a aussi une Deluxo pas loin, faut faire gaffe. Ouais, la Deluxo, je l'ai vu monter. Oh la vache! Et il lance le. Et fait hunter, ouais. Il sauce la grue. Attendant, ils nous ont pas touché. Putain, comment ça fait trembler le bâtiment. En vrai, il devrait tellement être effondré depuis le temps. C'est kamikaze, hein. Faites attention au kamikaze. Attention, tu te défends, non. Mets-toi couvert, non. Prépare un point de repli. Ah, je vois la Deluxo. Va tenter une attaque, je pense. Non, c'est bon. Ils vont peut-être essayer par derrière. Non, non, là, ils essayent de nous avoir sur le côté. Et Fentor, par contre, il va nous soucier. Il peut que nous avoir de là. Oh putain. La pipe est super. Je sais pas ce qu'il tente en deux coups. Ah oui, d'accord, mais il est là. Ouais. Si d'avoir le pilote. Si, il faudrait qu'il redescende. Putain, il est pratiquement mort là. Quelque part, je peux l'avoir. Je l'ai eu. Oh là là. Je l'ai eu dans l'hélico. Je vois les missiles en rouge. Oh là là, la Deluxo peut-être. Putain, j'ai eu dans son hélico. Je pense qu'ils font le tour. Ils doivent être juste à côté là. Faites attention. Ouais, juste en dessous, juste en dessous. Saucez-les. Ah, j'espère que c'est le pilote. Je crois pas. Non. Le copilote. Il s'est largué. Ok, il est juste là, faites attention. Nat, recule. Non, non, Nat, n'y va pas. Il est juste derrière le mur là. Pff, allez. Overkill. J'ai un tatouage. Oh, tu lui as explosé la gueule. En vrai, il a tenté le truc, hein, mais tout le monde l'attendait. Mais oui. Surtout genre il a fait un petit pas de côté en mode salut les gars. Salut les potes. Tu peux rejoindre. Vu qu'il a fait un petit pas, il a pas pu me tirer dessus avec je crois son minigun, son gros joule. C'est le minigun laser. Ça va servir là. Enfin ils tentent des strats là-bas. Mmh. Ah non mais ils ont de la ressource. Ah il y a la police juste en dessous. Oui il y a la police juste au dessus, c'est pour ça que je recule un peu. Un meilleur spot pour faire la guerre. Ouais. Il y a des tirs de missiles. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète, on est protégé. Si c'est pas en face, on est bien. Il y a une oppresseur. Oh putain.
ça c'est un vrai problème. L'oppressor c'est un vrai danger par contre, les potes. L'oppressor. Salut. That's lui. Voilà, l'oppressor. J'ai peur qu'elle tente une percée par le trou arrière. Ce qu'elle va faire. Ouais, ah ouais, ouais. Ils vont essayer de synchro, je pense. Ouais, il est pas loin de ma voix. Hein. De Luxo, c'est mis en invisible. Faites attention derrière. Hein. Là, je peux pas. Je suis dans la sauce. Hein. Je suis derrière toi. Ah, il est rentré. C'est bon. Oh, il est rentré et sa De Luxo, sa... son oppressor, elle est là. Ah oui. Elle est pas tombée. Oh là là. Il donc... a juste à la renvoyer, la recommander. Bah, attends, il peut. Bah attends, oui, essaye de faire rentrer la De Luxor là. Envoyer, ah oui. Non mais il peut la renvoyer. Il peut la renvoyer, faut juste qu'il connaisse le truc. Bah il l'a fait. Elle est plus là. Mais là du coup, attends, ils ont découvert le truc. Faudrait que quelqu'un des mines qu'il en place une juste ici. On est 4 je crois. Tu peux en placer une. Là ! Il y a un mec dedans hein. Oh oh. Ah bah. Putain, je l'avais pas vu. Ah je l'ai pas vu, je pense qu'il s'est mis en invisible. Ah oui, c'est pour ça, il a grimpé la grue, il s'est mis invisible. Quel chien. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bon bah moi je vais me casser. GG. Ouais, j'avoue qu'il mérite. Je me casse en quart. Toi c'est fan. Ah bah ils ont détruit ma de luxe. Bah nous quoi ça. Bah sadly. Je peux même pas me prendre en carte, tu dévastes. Non. Bruh. For the fun. It is the fun. Oh, c'était fou, c'était fou. Ah, il m'a mis une balle alors que j'étais complètement mobile. Youtou. Toutou Youtou, pardon. Oh, y'a un point bleu, y'a un point bleu! Vite! T'es où? Je sais pas, mais y'a un point bleu. Tchousse! Ah là là, c'était une bien belle. Attends, je vais voir si je pas. Je peux carrément les moments d'en amitié. C'est la clé, c'est meilleure soirée. Tu peux. Comment on fait? Mais non, mais c'est encore le. Échappe, joueur. Enfin, liste joueur, un truc comme ça, en ligne, évidemment. En ligne. Nat, ouais. Justin, j'ai envie de canner. C'est encore un. C'est encore la putain de oh, merde. Oui. Oui, copain. Oui. Copain. Quoi, une heure s'est produite. Ah, il veut devenir mon ami. Bah oui, oui, j'ai envie de dire oui. Des copains pour faire la guerre. Matt Montana. Mec, c'était marrant. Ah, c'était marrant. Ah, c'était marrant. Quoi, par contre, je peux pas l'inviter. Lui. Fouillez-le. Demande d'amis à accepter. Oh là 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 salut là là. C'est boys. Salut mon pote. Et eux, ils ont pas la rêve, du coup, c'est pour dire qu'est-ce qui branle. Oui. Oui, French. Salut. Oui, French. Damn. Baguette. Baguette. Ah, j'ai cru que c'était un autre mec qui avait dit ça, j'ai dit oh ils sont pleins d'amour. Mais c'est l'autre connard. Super. Ah, il te tabasse à mort en plus. Ah là là, m'empêche, on a trouvé les meilleurs joueurs en fait. Ah ouais, c'était parti tellement en couille au début. En vrai, ouais. meilleur gars qu'on ait jamais fait. Ouais, ouais, mais... ouais c'est ouf. Attends, ouais, je vais faire un lien vers ma chaîne Twitch. Je vais faire un lien vers ma chaîne Twitch à eux. Oh, le mec il fait de la pub. Bah ouais, faut stonk. Qu'est-ce que tu fais, Yoyan? De l'international. Qu'est-ce que tu fous là, Yoyan? Je voulais voir si ça spawnait la clé. Ah. Comment on accepte les demandes d'amis là? Tu fais flèche, tu sais le. Tu vois le pavé numérique là au bas oui, droit. Le verrou image, c'est ça? Non. Tu
tu fais, tu vois les, bah, ça marche, ça marche aussi. Bon, ouais. Il y a une touche pour y aller, pour y arriver directement. Ouais, mais je connais pas. J'aurais pu te la dire, mais tu m'écoutes pas. Ouais, mais allez. Maintenant ils s'entretuent. Putain, je suis deg, j'étais trop content, j'avais vu un point bleu. Salut. Ah, vraiment, je ferais plaisir là dans ces escaliers. Ah non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Twist. Putain, Destruction Derby là. Dire. Nick. Pense à Game Nick. Tiens, t'aimes bien les capots dans la bouche. Dire. Tu rates un truc. Eh, hey, on est deux maintenant sur le stream. Ah, ils en attendent beaucoup, Nat. Bon, on est tout seul. Enfin, je suis tout seul. Save the VOD. C'est vrai. Ah bah, en vrai, oui. Et là, tu fais transition YouTube. Ouais. Course, là. Transition YouTube, là. Tiens, je peux te rouler un peu plus dessus. Vas-y. Tiens, retourne-moi. Bon, voilà. Je vais y aller, les boys. Bien sûr. Alors, attends, je vais te retourner dans toute la longueur, un petit peu. Est-ce que tu vois mon cul? Viens voir mon cul de l'autre côté. Ah oui,